Bonsoir à tous, chers camarades. J'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Julien, de Vegas. C'est juste à l'instant du poteau PC Engine Fan qui a été éteint par Chozo. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir, les gars. Merci d'être présent. Je vais vous demander de réagir à une affaire dont on ne connaît pas l'aboutissement, donc il faudra être prudent. Donc, premier disclaimer, je me baserai uniquement sur les faits énoncés lors de l'émission de Julien Courbet, voilà, qui a été diffusée ce matin sur RTL, et pas plus. Voilà. Donc, il n'y aura pas diffamation. En tout cas, si diffamation il y a, elle sera à la source de l'émission de Julien Courbet. Donc, ce sera sa responsabilité. Comment ça va? Ça va. Impeccable. Ouais, ça va. Ouais, au top. Au top. Et toi, PC Engine Fan? J'ai une petite question. Bah, ça va. J'ai une petite question. Je n'ai pas eu beaucoup d'affaires. Voilà. C'est une brouille ou c'est vrai? On t'entend très mal, mon cher PC Engine Fan. Encore? Ah. Ça coupe, il y a des coupures. Alors, écoutez, attends, je vais introduire le sujet, je te laisserai parler. Alors, je pense qu'on peut le dire, on est face à une affaire d'une gravité, d'une telle gravité qu'elle peut être confrontée, comparée à celle du Watergate. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Potentiellement, c'est très très grave. Donc, ce qui se passe en gros, donc on va essayer de résumer l'affaire. Allô? Ouais. Donc, ce qui se passe, nous avons deux parties en présence. Nous avons d'un côté un certain Christophe. Un certain Christophe qui est un collectionneur de jeux vidéo depuis, alors je cite, depuis toujours. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas s'il nous écoute, c'est possible. Hein. C'est pas impossible parce que c'est vraiment apparemment un gros fan de rétro gaming qui avait une belle collection de plus de 2000, je cite, pièces. Incluant des jeux et des consoles. Et donc, il se trouve que, pour une raison inconnue, il a souhaité revendre sa collection. Quoi de plus banal, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est des choses qui arrivent tous les jours, et peut-être de plus en plus, d'ailleurs, d'après certains, enfin, je ne sais pas. Et donc, ce monsieur va contacter plusieurs boutiques. Il démarche plusieurs commerçants. Et au final, seules deux boutiques sont restées positionnées. Ont manifesté leur intérêt. Et donc, il a choisi, je cite, la boutique avec laquelle il avait le plus d'affinité. Donc, il n'a pas dit celle qui était la plus offrande, qui a proposé le plus d'argent, mais d'après lui, celui pour laquelle il avait le plus d'affinité. Bon, c'est totalement compréhensible, on a tous nos préférences. Et donc, ce monsieur fait affaire avec... Donc, c'est Matos & Games, hein, la boutique en question. Alors, déjà, première question, est-ce que vous connaissez cette boutique? Non, moi, non. Hein. Alors, Vegas, il me semble que tu as eu quelques déboires. Non, c'est pas des déboires. Non, c'est plus des un... contentieux. C'est plus un ressenti. Bah, oui, moi, j'habite pas loin, j'habite dans la région où la boutique se situe. Et effectivement, le mec, il est aussi aimable qu'une poignée de porte. Alors... Bon. Quand t'es un peu, quand t'es commerçant, j'attends quand même que un minimum de politesse. Et c'est vrai qu'il est pas, enfin, il est pas agréable, quoi. Voilà. C'est pas celui qui avait fait une vidéo avec Wawa, justement. Il avait visité cette boutique. Et pourtant, il semblait très sympa sur la. Alors, justement, très ouvert dans la vidéo. Justement. J'allais demander, est-ce que c'est pas parce que t'es pas YouTuber, mon cher Vegas? Bah, je sais pas, mais en tout cas, je sais que mon ressenti, je suis pas le seul à le ressentir. En tout cas, en général, je sais pas, t'arrives dans sa boutique, t'as l'impression de le faire chier. C'est... Bon, après, attention, oui. Non, mais c'est intéressant comme ressenti, mais j'aimerais pas que ça influence les amis. Oui, non, c'est vraiment mon ressenti. C'était peut-être une bonne humeur de façade, du coup, dans la vidéo de Wawa, du coup, j'en déduis. Ouais. C'est sûr qu'en vidéo, généralement, tu fais des efforts. Après, encore une fois, on peut être mauvais commerçant sur la forme. Oui, et être sérieux, bien sûr. Voilà, et ne pas être un escroc. Donc, considéré, par exemple, comme le magasin de jouets, comme des gens un peu, pas froids, tu sais, mais qui veulent un peu être tranquilles, ils travaillent. Mais après, par contre, voilà, il n'y a jamais de soucis, quoi, avec quand tu leur commandes un truc. Non, parce que j'ai envie de dire, je vais être franc, j'ai fait une vidéo avec,
comment dirais-je, un gérant de boutique que tu connais bien d'ailleurs, Julien. Oui, oui, oui. Moi, je l'apprécie, mais il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas son caractère. Donc... Oui, parce qu'il est un peu franc, un peu, voilà. Fois, un peu cassant, mais c'est Régis. Mais après, voilà. Il faut faire attention. Non, mais c'est pour dire qu'il faut faire attention aussi au ressenti. Donc, oui, je ne remets pas en cause ce que dit Vegas. Oui, après, bon, c'est toujours pareil. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'être gérant d'une boutique. C'est dans les deux sens, quoi. Des fois, c'est aussi compliqué sur les clients que tu. Et à force, tu te mets une sorte de carapace, tu sais, pour te protéger un peu, tu vois. Et Matos, si t'es trop gentil, tu peux te faire manger en fait. C'est juste un aparté. D'accord. Non, mais ça c'est vrai. Alors, premier élément, moi que je vous soumets, c'est que la vente va se réaliser, ou plutôt non, la transaction, le transfert du stock va se réaliser via, je cite, un professionnel des transports. Donc, ça veut dire quoi? Il a envoyé, il a expédié l'intégralité de sa collection par un transporteur. Donc, il ne s'est pas déplacé. Transporteur privé, ouais. Bon. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'il n'avait pas reçu l'argent encore. Ben, moi, il est fou, quoi. J'aurais jamais fait ça. Tu n'as même pas signé un papier comme quoi une reconnaissance, enfin, je ne sais pas, de dette ou une reconnaissance signée comme quoi tu as vendu ta collection à un tel avec une signature. Au moins, tu fais ça. Et à ce moment-là, tu peux livrer la collection. Mais moi, j'aurais jamais envoyé toute la collection. Je pense qu'il s'est dit, c'est un magasin physique, je risque rien. Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'est dit ça. Alors, moi, ce que j'ai noté, parce que je me suis un peu renseigné, lorsqu'il y a transaction entre un privé et un professionnel, théoriquement, il faut des documents pour officialiser le transfert de propriété. Et apparemment, ça n'a pas été... Enfin, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il a fait ça sans garantie. Donc, c'est quand même très imprudent. Alors, j'ai envie de vous dire, pour un petit jeu... pourquoi pas, mais attendez, 19 000 euros les amis. Ouais, ou alors tu le fais si tu connais le vendeur depuis très longtemps ou que c'est un peu... Ah, c'est peut-être son cas, mais c'est quand même... Bah tiens, tu, qu'est-ce que t'en penses là qui vient d'arriver, c'est quand même... Bonsoir à tous. Oui, c'est non, là, je participe à ce live un peu comme DJing, donc je vais rester en place. Non, j'ai un avis sur le sujet. Non, sur ce point-là spécifiquement, parce qu'après je vais dérouler l'affaire, mais déjà sur le principe... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il... Comme disait Julien P, je pense qu'il avait une relation de confiance déjà avec le vendeur. Peut-être qu'il avait déjà vendu auparavant quelques jeux, tu vois. Et du coup, de cette relation de confiance, il s'est dit, bon, bah vas-y, go vendre tout le lot de 19 000 euros. Je pense que c'est parti. Moi, je dis, j'ai une question, c'est que qu'est-ce qu'il a bien pu faire que... Il donne ses jeux sans avoir l'argent. Ah bah c'est une bonne question. Moi j'ai une hypothèse. Je pense que c'est Matos & Games qui l'a imposé. Donc il lui a dit tu m'envoies l'argent. C'est une simple hypothèse. C'est pas de la diffamation. Je ne dis pas que c'est la vérité. C'est une hypothèse. Je répète. Je pense que Matos & Games lui a dit tu m'envoies l'argent, tu m'envoies les stocks et après je te paye. Parce que d'un autre côté, c'est vrai que on pourrait se dire Matos & Games aurait pu envoyer l'argent, mais sans recevoir non plus ses jeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il l'a imposé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Moi, je pense que c'est possible parce que je pense pas qu'il les ait vus en direct, les jeux. Donc peut-être qu'il voulait les voir, l'état, tout ça, avant de donner l'argent, peut-être aussi. Ça doit compter, l'état des jeux. En fait, ce que je veux dire, pour moi, c'est compliqué dès lors qu'il n'y a pas de transaction physique. Donc l'erreur... Bien première sûr. Erreur qu'il a fait, c'est de ne pas se déplacer. Je suis désolé, pour 19K, tu peux prendre ta voiture. Mais c'est ce que j'allais dire. Non bon, j'ai fait 8 heures, même si c'est à 8 heures de chez toi. Ah oui. Moi, je suis à 8 heures de Paris. Pour 19 000 euros, je veux dire que je prends la bagnole et j'y vais. Ça prend un jour. Je fais l'aller-retour et basta. Quoi. Parce que Billy, je suis d'accord avec toi. Moi-même, je ne vais pas citer de somme, mais avec le recul, je me dis que j'étais inconscient. Mais j'ai déjà acheté des jeux plusieurs milliers d'euros. Même via des forums. Hein. Et j'ai fait des virements à des mecs que je ne connaissais même pas. Sauf que, bon, ils avaient une bonne réputation. Mais je suis d'accord, mais 19 000 euros quand même. 19 000 euros. Ouais, c'est quand même une somme, c'est clair. C'est mais surtout dingue. Que c'est quoi c'est 300 balles, quoi. Un grand aller-retour, genre il traverse la France en bagnole, c'est 300 balles, quoi. C'est que dalle. Comme il dit, certains qui disent,
tu prends un Kangoo ou tu prends une camionnette. Ah ouais. Tu prends... Un Renault Master, ouais. Renault Master, comme il dit. Un Peugeot Boxer, un truc de, voilà. De ce gabarit. Tu peux le louer en plus. Hein. Tu peux le louer. Ah oui, tu le loues. Tu vas au Leclerc chez toi, là, tu le loues le truc. C'est ça, ouais. Il y en a partout de ces camions. Donc, c'est honnêtement, ouais, ça se fait. Alors, ce qui se passe maintenant, et après, je vais vous laisser parler. Donc, ensuite, dans l'enchaînement des faits, Matos & Games va accuser réception du matériel. Donc ça, de ce point de vue-là, on peut dire que Christophe a rempli son contrat. Donc l'une des deux parties a rempli son contrat. Il a bien transféré les jeux au vendeur, à l'acheteur plutôt, qui est Matos & Games. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce plan-là. Ensuite, il y a le fameux virement. Voilà. Donc c'est ça qui est au cœur de l'affaire. Matos & Games prétend avoir effectué le virement, et donc il se décharge de sa responsabilité et estime lui avoir rempli son contrat. Le problème, c'est que ce fameux Christophe n'a pas reçu l'argent. Il n'a pas reçu l'argent, et apparemment, ça fait au moins... Alors, c'est pas précisé depuis combien de temps, mais apparemment, depuis 10 jours, il n'arrive pas à le contacter. Donc ça fait 10 jours, donc je pense que ça fait plus de 10 jours par essence, par définition. Je ne sais pas exactement depuis quand ça n'a pas été précisé. Il se trouve que Christophe a la preuve qu'il n'a pas reçu l'argent. Donc la Société Générale, sa banque, a fait une attestation prouvant que... donc depuis 20 jours, voilà. Donc depuis 20 jours, il n'a pas reçu le règlement. Et de l'autre côté, alors c'est pas, je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu Jonathan Bombay, c'est pas très clair, mais il dit apparemment qu'il a reçu, Matos & Games lui a fourni un relevé de compte. Mais ce n'est pas dit clairement ça. Est-ce que vous l'avez compris ça ou pas? Ça, j'ai pas suivi, j'ai juste compris qu'il s'était servi d'une banque un peu pas conventionnelle pour faire le transfert et que ça avait que ça pouvait être une des raisons comme quoi non mais ça c'est des conneries enfin c'est des conneries je crois pas ouais bien sûr mon nom. Alors oui alors attention donc maintenant on va venir à ce point là je vais vous donner votre avis parce que moi je me suis renseigné un peu est-ce que vous pensez crédible parce que d'après Matos & Games donc c'est la banque qui n'aurait pas donc réalisé le virement correctement et qui se serait trompée est-ce que statistiquement si on part du principe qu'il n'a pas fait d'erreur dans le virement, c'est un autre sujet, mais est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? Non, parce qu'au pire, l'argent, même si c'est trompé, l'argent revient, tu vois, je pense. Ou la banque lui aurait dit quelque chose, ou il aurait pu vérifier, tu vois. Si c'était le cas, il aurait pu prouver que l'argent est parti sur un autre compte, et la banque, à ce moment-là, doit le rembourser parce que la banque a fait une erreur, tu vois. C'est trompé. Non, mais de toute façon, la banque, elle peut même le récupérer, cet argent. Dire, quand tu fais un virement, tu peux le récupérer en direct, c'est... Ouais, et surtout, s'ils se sont trompés, la banque, que lui dit « Ah mais non, mais ce n'est pas le numéro que je vous avais donné. » Donc, ouais, comme tu dis, il peut récupérer l'argent et à ce moment-là, refaire le virement. Là, il y a même pas dit quoi le... C'est des conneries, ça, tu vois, parce que sinon, il aurait pu dire, écoute, il y a un problème avec le virement, là, l'argent est revenu sur mon compte, je te refais un virement propre. Là, il n'y a plus rien après. Donc, en fait, moi, non, je n'ai jamais fait de virement, en fait. C'est pas ça que je veux dire, mais si avant que c'est trompé, si elle l'envoie sur un mauvais oui, compte, mais par exemple... Oui, j'ai compris, ouais, j'ai compris. Après, elle le récupère, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le remettre dessus. Si lui ne fait pas la demande, la banque ne va pas y récupérer l'argent toute seule. C'est ça que je veux dire. Oui, mais justement, s'il s'est trompé, il peut faire la demande comme quoi la banque s'est trompée. Oui, la banque va recréditer l'argent au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Et là, lui, il dit juste, voilà, le virement a été fait, et ça lave les mains, quoi. C'est-à-dire, voilà, t'as pas reçu l'argent, c'est pas ma faute, en quelque sorte. Et est-ce qu'il compte le payer, parce que lui doit bien voir que... Il compte le payer au final ou pas? À mon avis, alors, non, mais bon. Lui prétend qu'il a viré l'argent et donc qu'il a été débité. Ouais, il en reste là. Alors, moi, je vais vous dire, il y a d'autres éléments, mais moi, il y a quand même un élément qui m'a fait tiquer, c'est que Matos & Games dit qu'il a des difficultés à contacter sa banque et à avoir des éléments. Alors là, c'est vraiment un déconneur. Ouais, il doit avoir des difficultés. C'est là où, voilà, c'est quand même là où je me dis, il se fout un peu de notre gueule. C'est-à-dire, bon, je comprends, il peut y avoir une erreur dans l'inscription des coordonnées bancaires, effectivement. Ouais. Mais dans ce cas-là, comme tu dis, Julien, j'ai vérifié, si jamais il y a une erreur dans l'inscription des coordonnées bancaires, statistiquement, déjà, généralement, c'est une erreur, donc l'argent revient.
parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de destinataire. Si par miracle, il y a un destinataire... La banque est fautive si c'est elle qui a, voilà, qui a émis l'ordre de virement, c'est-à-dire que ce n'est pas le propriétaire, c'est pas le... lui qui a fait le virement de son compte internet, par exemple, et qui fait une erreur, c'est sa faute. Mais, si, mais même comme ça, il peut faire une demande. Même si c'est Matt Osengem qui s'est trompé, tu le vois tout de suite. Parce que oui, bien sûr. J'ai un exemple récent. Ben, le nom, tu vois les coordonnées. Exactement. Le mec, tu vois le nom de la société ou du destinataire. C'est automatique. Donc, c'est impossible. Donc, ça veut dire que s'il s'est trompé, il est obligé de le savoir. Donc, ça, on peut déjà retirer cette hypothèse-là. Et si jamais, il s'est trompé, il n'y a pas de destinataire, donc il y a peut-être pas, peut-être que dans ce cas-là, tu ne vois pas le nom du destinataire, ça je ne sais pas, mais dans ce cas-là, l'argent revient. Ouais. Donc dans les deux cas, ça veut dire que c'est la banque. Je veux dire, si on pense que Matt Osengem ne ment pas, c'est la banque qui s'est trompée et qui a fait, qui n'a pas viré l'argent. Après, il y en a, ils nous mettent dans les commentaires. Qui dit un truc intéressant, apparemment il y a des rumeurs de loyers impayés et la boutique serait fermée depuis juillet. Ouais. Ouais, pour des travaux, soi-disant, parce qu'il doit trouver un autre bâtiment pour réinstaller ça. Alors, il y a un autre élément que je vous soumets, et j'accueille Cyber. J'espère que tu ne sommes pas trop, parce que je sais que tu voulais faire ce live. C'est moi qui l'ai fait avant toi. Tu m'as déjà grillé le live sur Neo Geo. En fait, tu n'auras pas celle-là. Je vais te répondre en toute sincérité. En plus, je pense que tu es quand même plus à même d'en faire un super live. Et c'est sincère. Donc, C'est gentil, mais... je me suis privé suite à ton annonce, hein, c'est vrai. Ah bah, écoute... tu le croiras ou pas, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Quand tu as fait ton live sur la Néo, bon, j'ai dit c'est bon, je ne vais pas en faire un non plus. Bon, bon bref, écoutez, c'est pas très grave. Alors, juste pour revenir, donc, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. J'ai entendu parler de loyer impayé. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc, loyer impayé, il faut savoir un truc, c'est que là, actuellement, et ça c'est pas de la diffamation, Matt Osengem n'a plus de société. C'est ça que Matt Osengem a fermé. C'est à titre privé, en fait, qu'il a fait cette transaction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas payer taxes et tout ça, mais sa boutique a fermé en 2017. Donc, tu veux dire qu'il a trompé l'acheteur en question ? Je pense que c'est totalement légal, mais il n'a plus de boutique physique. Donc, ça veut dire qu'il a fait un virement pas à la société, mais sur son compte personnel. Bon, je pense qu'il peut toujours être qualifié d'auto-entrepreneur. Exactement. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est illégal. Hein. Attention. Mais c'est ça, savoir à qui il a viré l'argent. Est-ce que c'est à la société ou est-ce que c'est sur son compte personnel? Même si c'est à lui, c'est possible. S'il est auto-entrepreneur, tu peux lui faire à son nom. C'est juste pour savoir. Mais c'est juste... Je le précise juste pour dire qu'apparemment, il y a quand même des problèmes d'argent derrière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, est-ce que l'acheteur était au courant de ça, tu vois? Est-ce que ça se trouve, il pensait que c'était toujours un vendeur professionnel, tu vois, à ce moment-là. Mais peut-être que c'est un vendeur professionnel. Je ne connais pas les statuts, en fait, pour être honnête. Peut-être que c'est un vendeur professionnel, mais qui n'a plus de physique. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, peux être vendeur professionnel, mais que en ligne. Exactement. Si t'es que en ligne. Donc, dites-nous, hein, peut-être qu'on raconte de la merde, mais moi, c'est ce qui est dit dans l'émission chez Julien Courbet, et je vous cache pas, j'ai mené ma petite enquête, j'ai vérifié également ses comptes. Et c'est pour ça, à la dernière convention, ils vendaient des jeux ultra chers, t'avais des Pete Sampras à plus de 50 balles, vas-y. Les Pete Sampras qui devaient être au mec des 19 millions. C'est au nom de la personne, donc je ne vais pas citer son nom, mais c'est, tu peux regarder, Matt Osengem a fermé. Bref, il est seulement... Un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il a dit j'ai fait les virements. Il a parlé de plusieurs virements, tu vois. Il n'a pas parlé d'un seul virement. Tu sais, par rapport... il a régularisé le problème, quoi. Et dans sa phrase, il disait j'ai fait les virements. Donc ça, alors, qui dit ça? Le Matt Osengem. Alors, est-ce qu'il est intervenu ou pas? Parce que moi, je ne l'ai pas entendu. Sur Twitter. J'aurais dû mieux travailler le dossier. Donc, c'est ça qui s'est exprimé sur Twitter, là? Ouais, il a répondu fait à une personne qui lui posait la question, qui lui demandait des explications. D'accord. Et il a dit non, je les ai fait, j'ai envoyé les virements.
Pourquoi il n'envoie pas des preuves de virement? Parce que tu peux les avoir. Moi, sur mon téléphone, je fais un capture d'écran et... Alors, voilà, oui, il ne les a pas fait, à mon avis, parce que sinon... Alors, oui, c'est là où c'est pas clair, mais apparemment, il a fourni un relevé de compte. Mais alors, c'est là où la journaliste, peut-être qu'elle fait du sensationnel, mais elle a tout de suite dit c'est pas un élément de preuve, il peut l'avoir trafiqué. Bon, c'est vrai. C'est un peu de la diffamation, mais... Non, c'est une possibilité. C'est-à-dire que... Un relevé de compte, en fait, c'est très facilement modifiable, un screen ou autre. Maintenant, je vais poser la question différemment. Est-ce que le vendeur aurait contacté Julien Courbet s'il avait reçu une preuve avant? Moi, ce qui m'interpelle, c'est le silence de Matos Endgame durant ce laps de temps entre l'envoi du colis et le passage à Julien Courbet, mais le silence qu'il a eu vis-à-vis du vendeur. Moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Surtout que, je cite, il a dit « Je ne communiquerai avec Christophe qu'au travers d'avocats interposés. » Donc c'est quand même, là, c'est vrai qu'on est monté d'un cran quand même. Bah, c'est aussi une façon pour lui de faire ralentir la procédure. Là, s'il avait volontairement volé, ce que je ne sais pas, il s'y prend de la meilleure des façons. Il répond pas à Julien Courbet en disant qu'il est au volant et il dit « Bon, bah écoute, maintenant, on va parler par avocat. » S'il avait voulu voler, ça aurait été la meilleure façon de faire, en tout cas. Il y a un minimum, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a au minimum une mauvaise foi. Ou un manque d'implication. Je suis désolé. Alors, attendez, l'autre élément que je vous soumets, est-ce que vous trouvez ça... Est-ce que vous trouvez que c'est une provocation, sachant que la personne qui a vendu les jeux n'a pas reçu l'argent, de les présenter sur la page Facebook et de les mettre en vitrine? C'est complètement indécent. Sans s'assurer que les éléments soient arrivés, c'est compliqué quand même. Mais visiblement, il n'est plus à sa près, puisque bon, il a dit qu'il a fait des virements qu'il n'a pas fait finalement. Donc, je pense qu'il comptait le niquer de le départ. Ou alors, il n'avait pas les thunes, tout simplement. Regarde, c'est simple. Si tu envoies 19 000 euros à quelqu'un, le premier réflexe que tu as, c'est de savoir si la personne les a bien reçus. C'est pas il court dans la nature, moi je m'en branle, j'ai mes jeux. Moralement, alors vous allez peut-être pas me croire parce que je peux être une crapule comme tout le monde, mais sincèrement ça me pèserait. Je pense qu'en fait il s'est dit je vais récupérer cette collection, s'il y a des méga pièces, je vais essayer d'en vendre rapidement, comme ça me permettra de les payer, tu sais, avec la plus-value et tout. Je donne un exemple. Imaginons il avait sur 19 000, il avait 10 000 de trésorerie. Il s'est dit, je vais prendre ces jeux, il a des grosses pièces, je vais essayer de les vendre vite, et avec la plus-value et tout ça, je vais vite pouvoir le faire le virement, puis sauf qu'entre temps peut-être on lui a proposé d'autres rachats et au lieu de rembourser le mec il a acheté d'autres trucs, je sais pas. Julien, tu me disais en off ça sent le mec qui a des dettes à un moment donné il a eu peut-être des problèmes financiers et il a été un peu pris de court et il peut pas rembourser parce que peut-être il doit de l'argent ailleurs ou parce que sa boîte a fermé, j'en sais rien pour quelle raison, et peut-être qu'il peut pas, tu vois, et quand tu es pris au piège comme ça, tu fuis parce que tu n'as pas d'autre alternative, ou alors s'il était de bonne foi, il aurait pu dire, écoute, je vais te faire un échéancier, malheureusement, je m'excuse, mais je peux faire que tant par mois, et au moins tu freines le truc, tu vois, un peu, mais je pense que, peut-être il peut pas du tout, ou alors il veut le niquer. J'ai une question. Est-ce que légalement, l'ancien propriétaire des jeux peut prendre un fourgon, il va récupérer ses jeux? Il peut pas par la force, il peut pas s'introduire dans une boutique. Il peut pas s'introduire dans ses locaux et c'est compliqué. Légalement, est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il a le droit de porter plainte pour vol? Je vous pose la question, si quelqu'un me vole, par exemple, ma collection Neo Geo, c'est ça l'hypothèse, je sais où sont les jeux. Ils sont dans un lieu privé. Est-ce que vous pensez que je peux rentrer dans le lieu privé pour reprendre le jeu? Légalement, tu n'as pas le droit. Le problème, c'est comme il n'a rien signé, il n'a pas de papier de vente, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est un peu compliqué, ça. Mais l'autre, il ne peut pas prouver que c'est ses jeux non plus.
Mais c'est ça. Et il a, et ils, donc, il a lui, il peut quand même porter plainte à morale. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars. Il y a quand même... Contre la transaction, quand même. Ouais, il y a les échanges. Je crois qu'il y en a un qui pisse, là. Je ne sais pas, moi. Non, mais tu as les échanges, et tu as peut-être le transporteur et tout ça. Tu as les échanges, tu peux les faire. Il n'y a pas de reconnaissance de dette signée, je pense. Il y a un mec qui a la pissotière, la pitaille. Non, mais par contre, pour vol, je pense qu'il peut, il a quand même la possibilité de porter plainte pour vol, parce que l'autre, il ne peut pas justifier que c'est ses jeux, et non, tu vois, il a au moins ça. Pour vol, ça, pour le vol, ouais, oui. Je suis d'accord avec Cyber, c'est que les mails font foi. Hein. Il faut savoir que légalement, si tu dis... Oui. Non, ça, c'est légal. Légalement, tu peux opposer des mails ou des échanges privés où tu dis « je t'achète tes jeux ». Ça vaut pour contrat. Donc, voilà. Par contre, pas les screens, il faut faire authentifier tes mails. Oui. Il faut que ce soit un huissier et tout. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Enfin, je ne sais pas, ils n'ont rien signé. C'est ça qui est un peu comme ça. Ah, c'est pas clean, mais c'est une montagne. C'est de reconnaissance de dette. La personne, en fait, a la pignon sur elle. Enfin, après, ça, il faut un jugement, hein, ce que je dis. Hein. Ce n'est pas le policier qui va dire bon, vous lui devez tant. Il y aura un jugement, bien évidemment. Mais d'un point de vue commercial, tu te doutes bien que le vendeur obtiendra gain de cause. Quoi. Enfin, il n'y a pas de contrat. Si c'est pas seulement le gars, tant pis. Mais ce que je trouve étonnant quand même, c'est que moi j'ai eu une expérience comme ça, mais qui n'était pas mauvaise, mais que j'ai vendu déjà à un professionnel. Ça m'est arrivé une fois, et il est connu, c'est Edge. J'ai vendu des jeux, beaucoup de jeux, et il m'a payé. Hein, c'est pas... Non, pas du tout. Non, il m'a payé, mais c'était pour dire que j'ai au moment de faire la transaction et j'ai eu une facture de sa société, parce qu'il est une société pour parce qu'il est vendu à travers son site après lui. Donc j'ai eu un papier, tout ça, enfin une facture et tout, comme quoi il m'a bien acheté des jeux, tout ça. Il m'a payé en direct, hein, ça a été payé direct, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une trace normalement quand tu achètes à un professionnel, que là il n'y a pas eu quand même. Il y a eu un manquement de la part de. Non, de après, game. Enfin, tu peux aussi acheter un autre entrepreneur. Il peut avoir une entreprise à son nom, c'est pas interdit ça. Bah, Edge, il est à son nom. C'était à son nom, mais ça passait par. Edge, il a une asso, il a la autre. Ouais, mais ça passait par l'association. Je veux dire, il y avait une trace, quoi. Il m'a envoyé un papier, tout ça. Sans Deepfleck qui est présent, là. Il veut s'exprimer. Bonsoir à tous. Salut. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu vas dire sur cette affaire, parce que je t'ai pas du tout entendu dessus. Je sais pas, le mec il a une boîte, c'est ça, elle est encore en activité sa boîte là, j'ai regardé. Alors, pour moi, sa boîte est à son nom désormais, elle n'est plus au nom de... Ouais, elle est à son nom maintenant, ouais. Enfin, il a une boîte quoi. Mais c'est pas grave, ouais, je suis d'accord, c'est pas un problème en soi, d'accord. On est d'accord. Et tu penses pas qu'il y a des problèmes de trésorerie derrière là, quand même, un petit peu? Bah c'est évident qu'il avait pas la trésor quoi. Il avait pas la trésorerie et du coup il s'est dit je vais revendre pour payer derrière quoi. Ouais, c'est la meilleure hypothèse, effectivement, ouais. Je suis d'accord. Mais après, le truc, c'est que il aurait dû, normalement, pour prouver sa bonne foi, lâcher quelques versements, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais et ça pue un peu la merde, du coup, parce que normalement, tu fais quoi? Normalement, avec 20K, il fait quoi? Il lâche 5K tout de suite, et puis 2K par-ci, 2-3K par-là, jusqu'à ce qu'il ait réglé, mec. Là, ça pue un peu la merde pour le type. Hein. C'est ça que je comprends pas pour lui, en fait, même dans son intérêt. Je vois pas ce qu'il va faire, en fait, là. Alors, attention, sauf si c'est exceptionnel et c'est vraiment la banque qui a merdé. Non, mais. Ça n'existe pas, ces conneries. Non, mais. Allez, c'est une chance sur. Enfin, c'est un risque sur 1 million. Non, mais il aurait pu faire une réclamation pour récupérer la tuile, tu vois, quand même. Oui, voilà. Ça n'existe pas. Un virement, il y a la trace. Si le mec a rien à présenter, c'est qu'il n'y a rien à présenter. Tu vois, c'est pas plus loin. Mais je sais pas, un règlement comme ça, déjà tu fais un chèque de banque, à moins que tu sois demeuré, tu exiges un chèque de banque. C'est ça, voilà. Comme quand tu achètes un véhicule en particulier. Voilà. Au-dessus de 5K, c'est chèque de banque, tu vois, c'est pas compliqué. Mmh. Alors, ça existe les faux chèques. Va pas nous parler de ton activité professionnelle, s'il te plaît. Mais, non, c'est compliqué. Un chèque de banque, c'est compliqué quand même. C'est pas compliqué. Parce que généralement, ce que tu fais, c'est que. Non, mais de toute façon, t'appelles la banque. Oui, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Tu as fait la raison, on va dire. Non, mais tu appelles la banque. Tu vois. Oui. Qu'est-ce que tu m'as conseillé quand j'ai fait cet achat de plusieurs milliers d'euros? Tu m'as dit tout de suite, quoi.
tu m'as dit, va à la banque et va. Ah, bah oui, non, bah, ça, c'est obligatoire. Ah, bah oui, non, c'est obligatoire. Ce conseil. Non, une voiture, c'est à ce prix-là, surtout à ce prix-là, plus de. Non, c'est pas une voiture, on ne parle pas de voiture. Ah, tu parles de la. D'accord. De la collection si, de. Voiture, mais je voulais de la collection de Xav, ok. Voilà, donc. Ouais, la collection de Xav que tu as acheté, oui, t'as dû aller ouais, prendre une chèque de banque. Bien sûr. C'est pas non plus, faut pas faire le con. Après, comme je le disais tout à l'heure, il a fait plusieurs virements. Il n'a pas fait qu'un seul virement. Non, mais attendez, mais c'est encore moins crédible, ça, qu'il se serait trompé plusieurs fois. Donc je pense qu'il a plusieurs banques. Peut-être. Ouais, peut-être qu'il a fait en plusieurs, ouais. Plusieurs comptes, quoi. Depuis plusieurs comptes. Il n'y a, hein, a aucun virement qui est passé. Alors. C'est encore pire. Non, mais c'est pour ça que je pense que son histoire de virement qui n'est pas passé, là, c'est complètement faux, tu vois. Parce que du coup, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est pour ça, du coup. Ce qui est vraiment inquiétant pour le vendeur, c'est le silence du gars, quoi. C'est-à-dire qu'il a envoyé un courrier recommandé, au lieu de recevoir un coup de fil, le gars fait le mort. Ah bah là c'est un peu, en fait. C'est ça qui est. Parce que la théorie que vous avez émis tout à l'heure, c'est bon bah voilà, il compte en vendre un peu avant de le payer. J'ai envie de dire c'est ce qui peut arriver de mieux pour le vendeur. Moi j'espère que c'est ça. Non mais quand vous dites ça, il compte en vendre un peu, mais vendre 24 jeux, tu les vends pas en deux mois, hein, 24 jeux. Non mais si par exemple il y avait déjà un peu de trésor et qu'il s'est dit en vendant un peu du stock, je vais pouvoir le payer complètement. Mais je pense qu'au début, peut-être il voulait faire ça. Puis entre temps, il s'est dit j'ai les jeux, peut-être il s'est dit je ne vais pas le payer maintenant ou je le payerai plus tard. Alors je porte à votre connaissance que le relevé de compte que Matos & Games aurait fourni donc à Christophe, Christophe précise qu'il y avait d'autres achats pour des montants moins importants, mais quand même assez importants. Donc il serait dans une phase d'achat là. Donc ça va pas trop dans la thèse qu'on a énoncée, ça qu'il a l'air d'avoir de l'argent quand même. Non mais pas ça. Après, il achète avec les jeux qu'il a vendus, donc peut-être au lieu de payer les 19 000 à l'autre, eh ben, sa collection, il a vendu des jeux. Ah bah c'est comme une pyramide de pouvoir. Et il a racheté derrière au lieu de le payer, tu vois, je pense que c'est ça. Après, s'il est dans une phase de rachat, mais qu'il achète comme il a acheté au mec des 19 000 euros, il peut en acheter plein des jeux. S'il n'envoie pas l'argent, c'est compliqué. C'est parce que, non, apparemment, en fait, alors, soyons honnêtes, Cyber, apparemment, il a quand même bonne réputation. Hein. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il bénéficie quand même d'une image très positive. Il est connu. Enfin, je vois Conquerax, Raled Funiman, la Pixel Day, on le voit plusieurs fois, tout sourire, avec du bon matos. Ça ne veut rien dire, hein. Les youtubeurs, ils ne sont pas crédibles. Tu veux dire que quand j'ai fait une vidéo avec Régis, c'est pas crédible, c'est ça? Alors toi, c'est différent. La télé-exception qui concerne la règle. Qu'est-ce que tu ce que bon, j'irais pas. Ça peut être croustillant. J'irais pas vendre 24 patrimoine à quelqu'un sous prétexte que Conquerax il a fait une vidéo dessus, tu vois. faut être sérieux deux secondes. Quoi. Non, c'est sûr que j'ai regardé les avis sur la boutique. Attends, tu fais partie de ceux qu'on reprochait à Biggie d'avoir fait des publicités. C'est que ça marche quand même. Je ne savais pas que Diffa qu'il avait reproché aussi. Non, c'est pas ça. C'est en privé, mais je l'ai dans la vidéo. Ah ouais. Il faut l'annoncer dans la vidéo. Ah. Et, il l'avait mis dans la description de la vidéo. Il faut le dire dans la vidéo, c'est tout. D'accord. Il y a Sky Blazer qui dit Cyber, ce bidon. Je sais que c'est. Je pense que c'est Berserk, Sky Blazer. Ouais, c'est pas Stone Cold. Mais c'est son style. Non, c'est Berserk. C'est pas Stone Cold. Donc, ouais, t'as. Là, qu'est-ce qu'il peut faire le vendeur particulier là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah bah, je me suis renseigné. Il peut être dans la merde quand même. Hein. Non, mais je veux dire, ça peut durer très longtemps. Hein. Oui, ça peut durer très longtemps. C'est le temps judiciaire, c'est un autre temps. Mais c'est quand même un shitstorm. Ça, que tu te rends compte, les mecs, vous vendez pour 20 000 euros de matos, qui ne vaut pas 20 000 euros. Parce que si tu revends 20 000 euros à une boutique, ça en vaut 25. 40-50 ou... Non, 45. Ah, peut-être pas quand même. Non, allez, vas-y, 30 minimum. 30 minimum, t'imagines, tu perds 30. Non, mais tu pètes. Et c'est là où ça s'est. Je dis ça en off. Ça vous arrive, mais vous pétez un câble. Vous prenez une voiture et vous allez sur place, non? Je comprends même pas. Alors. Mais là, je crois que ça fait 10 jours qu'il dort plus, le gars. Il va plus dormir pendant un moment, hein, de toute façon. Moi, j'ai vu la photo. J'ai vu le vendeur. Ouais, c'est pas du genre à aller faire une voiture bélier. Dans la boutique, quoi. Non, il a pas l'air d'être full testo. Le mec. Non, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Attention, je dis pas qu'il faut faire ça. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que c'est le meilleur moyen de les perdre.
Après, parfois, ça fait du bien. Ça peut aussi faire du bien, je veux dire. Mais bon, c'est compliqué, il faut poser pour elle. Après, je sais pas s'il a 8 points, mais ce serait bien d'aller voir IRL. Une bagnole jusqu'à Lyon. J'ai entendu que le nom de la ville, j'ai déjà pas envie d'écouter la suite. Il y a Alf qui dit tu encages deux montagnes et tu les amènes. Enfin, t'es pas à l'abri que les deux montagnes, une fois qu'elle récupère le magot, elles te disent bon bah mon petit coco, t'es bien gentil, mais t'es même pas une colline. Non, mais le problème, c'est que les sous, il y en a pas, quoi, de toute façon, au final. C'est vous qui récupère ces jeux, en vrai. Parce que les sous, il y en a pas. Et surtout, ça se trouve, il les a déjà vendus, il les a déjà, tu vois, il les a plein. Ah, ça, c'est au moins une partie, je sais pas, mais bon, ouais. Enfin, pour moi, c'est le mieux à faire. Par contre, s'il organise son insolvabilité, là, c'est très compliqué. Ouais. C'est fini. Ça se c'est comme après, t'as le pénal, quoi, derrière, tu vois. T'as le pénal derrière, quoi. Ouais, mais bon, le pénal, pour une collègue à 20 000, ouais. Ouais, mais moi, j'ai non, pas tellement. Parce que c'est un volé, quoi. C'est un vol, quoi. Ouais, c'est un vol, bah ouais, il prendra son sursis et salut. À mon avis, il devra le payer. Bah il aura, s'il est pas solvable, il paiera 20 euros par mois, quoi. Ouais, voilà. Alors juste, je sais pas si on l'a pas dit, mais apparemment, il dit que donc la boutique va fermer. Je vous montre ça rapidement, mais il avait fait passer un petit communiqué. Cette décision difficile a été prise en raison de soucis structurels dans nos locaux et d'une procédure en cours. Voilà, nous tenons à vous rassurer. Oh. Donc ça, c'était en août, hein. Pendant cette période, le site internet restera opérationnel. Voilà, donc il y avait quand même. Ça sentait un peu mauvais quand même. Ça veut dire quoi, procédure? Le gars, il a vendu ses jeux en voyant ça. Et ça m'a fait rire. Il avait déjà une société Matos. Ouais, mais qui a fermé apparemment. C'est la cinquième. Ouais, c'est la cinquième, c'est ça. En 2017, ouais. Exactement, ouais. Matos and Games, il avait la société Matos and Games jusqu'en 2017, et après, il a réouvert un truc à son nom, et. Pour une boutique qui s'appelle toujours Matos and Games. Ouais. Il en a eu beaucoup des sociétés quand même, quoi, tu vois. Alors, ça me fait rire. Attendez, je te laisse finir. Petite session de Street Six avec 19 000 euros. Ça m'a fait rire parce qu'il a posté ça hier. Bon dimanche, les rétro gamers. Dites-nous du moment. Petite session, c'est pas étant 6, ça ferait monter Vito. Et regardez, c'est les 19 000 euros. Matos and Games a limité qui peut commenter parce qu'il y a des gens qui l'ont trollé, qui ont mis des screens de Julien Courbet. C'est vrai. Il a tout viré derrière après. Bon, après, c'est normal, mais. Ça m'a fait rire. Ouais. Après, quand même, on peut être quand même pour 19K, quand même, tu y vas et tu vas récupérer tes sous en direct, voilà, quand t'amènes tes jeux. Ouais, mais c'est compliqué. Ça, c'est inconscient quand même. Enfin, je ne sais pas, 19 millions. Tu loues un camion, tu amènes tes jeux et tu. Enfin, le gars, il aurait fait. Ah, ça, c'est impensable. Tu mets la pression, tu dis. Non, mais là, c'est trop tard, mais c'est impensable d'avoir envoyé 19 000 euros sans avoir eu d'argent. Quoi. Je comprends pas. Voilà, apparemment, déjà, il a même plus de boutique physique. Donc, du coup, où est-ce qu'il va aller, tu vois, c'est compliqué. Ouais, tu sais même pas où aller, ouais. Enfin, si, t'as l'adresse. Tu rôdes dans Rouen. Tu roules dans Rouen. La question qu'on se pose tous, Babillé, c'est à l'issue de ce live, est-ce que tu comptes créer une cagnotte en soutien aux vendeurs? Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des youtubeurs qui vont se manifester pour le défendre? Oh, j'en sais rien, mais les jobs là, ils commencent à me saouler lui. Alors, il a fait une cagnotte pour le cancer, une cagnotte pour je sais pas quoi. C'est bon, on te tue, on peut pas te donner de sous, moi. C'est vrai que c'est fou ça. Non mais attends, c'est un petit peu une parenthèse là, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé sur la chaîne de Game Money là depuis 2 jours. Il s'est passé quoi là? C'était un téléthon ou... Bah, c'était encore un truc à cagnotte, ouais, en gros quoi. Après, non, les mais dons. Pas pour critiquer, mais. Un appel aux dons, mais j'ai pas suivi pourquoi. C'était pour le cancer. D'accord. Bah voilà, c'est un beau geste, c'est un peu pareil, Baby Guy, merde. Oui, c'est bon. Voilà. Non mais là pour le coup, attendez, je vais peut-être vous surprendre. Bon, pourquoi pas. Il a juste fait un relais. Ouais, pour un truc officiel, ouais, bien sûr. Ouais. Oh, ça va. Ok, croise Marie. C'est clair, ça, c'est ouais. Tout typique gauchias. Ils veulent faire. être les Marie ou je sais pas quoi. Les mecs, ils font des efforts et tout, et vous crachez dessus. Vous êtes non, mais ça, pour le coup, c'est pas répréhensible, je trouve.
C'est quand même, c'est personnel pour genre je dois acheter du matos, je dois acheter ci, là c'est peine de mort, là c'est pas possible. Est-ce que vous pensez, est-ce non vous mais quand pensez... tu demandes pour toi-même que c'est, il n'y a pas une raison valable et que tu en plus tu prends vraiment les gens pour des cons, quoi. Alors qu'est-ce que vous pensez ça, ouais, Rétropolo, ça, de Rétropolo qui a fait une cagnotte pour l'anniversaire d'un de ses potes, là on est là. Tu rigoles, moi je dis non, non c'est pas une blague. Alors, attends, non, son pote, il est mourant, c'est ça, c'est quoi Non, c'est un pote, c'est un pote qui a eu son anniversaire. Il a fait une cagnotte pour son pote, ça m'a fait dégrer, mais je sais pas. Putain, mais c'est vraiment une dérive. Tu vois ça vraiment, c'est la dérive de YouTube et tout. Non, c'est faut arrêter ça. Voilà, non, exactement. Tu fais pas tout privé, tu fais pas une cagnotte sur YouTube, tu fais un oui, privé avec les gens que tu connais. Sûr, à la limite, ouais, bien sûr. Voilà. Sur YouTube, c'est bizarre. Ce qui serait marrant, c'est de voir combien il a perçu. Ouais, c'est clair. Enfin, bref. Parce que franchement, payer pour l'anniversaire de son pote, c'est faut vraiment être dévoué, quoi. Il y a des gens qui payent, mais après, je leur en veux. Enfin, si je leur en veux un non, petit ouais. peu, mais je pense qu'ils veulent faire plaisir. Ils veulent se faire remarquer. Ils veulent se démarquer aussi. Oui. Voilà, c'est ça, ouais. Ils veulent de l'attention, donc en faisant ça, ouais. Bien sûr. Je t'assure, Alf, écoutez, vous voulez vraiment que je cherche? Bon, attendez, je vous laisse parler et je vais chercher pendant ce temps-là. Moi, j'ai hâte de voir le montant. Exactement, Billy. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des cas où les cagnottes se sont. Oui, pour les vraies causes, c'est. Pour les vraies causes, ça peut être justifié. Mais quand ça tombe dans des trucs comme ça, c'est ridicule. Il avait même fait une cagnotte, je me rappelle, pour psychodélique. Non, ah, sans déconner, oui. En plus il gagne bien sa vie. Hein. Psychodélique, ouais, avait fait une. Il est dans la sauce là maintenant, apparemment. Il est dans et apparemment, sauce, il est dans la sauce pour le coup, mais bon. Ouais, bah. Ouais, bah, après, merde, excuse-moi, mais. Oui, il a fait quoi? Non, parce qu'il a attaqué en justice, mais bon, à un moment donné. Ah là, ouais. C'est ouais, parce qu'il tape tout le monde. Au bout d'un moment, tu payes, c'est sûr. Surtout, il tape les bonnes personnes, j'ai envie de te dire quand même. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, au bout d'un moment, les gens se manifestent, tu vois, en retour, à force. Voilà, Rétropolo, tu lui dis que tu as été un des premiers astronautes à jouer à la Game Boy sur Mars et te filme direct sans se poser la moindre question. Rétropolo, sacré Rétropolo. La dernière fois, c'est un réseau, il touche 5K par mois. Bah, en plus de sa chaîne, ouais. Ouais, donc ça va, il a les moyens, quoi. Encore, c'est un mec à pas de thunes, ok. Ouais, la canote du blister du pénis de Chozuro, je suis pas au courant. Il y a une autre affaire avec. Moi, je pense que c'est dommage que l'affaire Matos and Game a éclipsé l'affaire, le principal drama. Ouais. Et c'est Alex Gaming. L'affaire Alex Gaming, monsieur. Il s'est passé quoi? Alors, écoute, j'ai pas très bien compris le concept de colis voyageurs, mais il semblerait que ce soit des youtubeurs et des collectionneurs qui s'envoyaient à tour de rôle des colis. Et le dernier à l'avoir reçu, c'est Alex Gaming, qui devait l'envoyer à un autre youtubeur ou collectionneur. Mais le colis s'est perdu. Alex, le colis s'est perdu, mais il y a quand même des personnes qui ont relevé qu'ils mettaient des jeux en vente dans un short et il semblerait que c'était des jeux du colis. Et donc l'affaire est toujours en cours, il y a des échanges de messages. C'est 50 balles au calme, le mec, hein, il se met bien. Ouais. Et du coup, bah, gros problème avec la poste. Alex Gaming, lui, dit que c'est la poste, mais il a perdu le bordereau et il se rappelle plus du nom de la personne à qui il devait l'expédier. Il s'en rappelle plus. Et il y a d'autres personnes qui veulent le colis et du coup, qui lui disent, mais quand même, tu pourrais faire un effort et tout. Bon. Je trouve ça vraiment. Comment il peut avoir le colis puisque les jeux sont à l'échange? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas bien entendu. Comment il peut y avoir un colis parce que les jeux sont dans les shorts? Il a la DSL encore. Ah, tu devrais te déconnecter et te reconnecter, je pense. Là, ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ah ouais, la NIV de Véron. Alors voici une cagnotte pour l'anniversaire de notre ami. Alors moi personnellement, je sais pas mon ami. Hein. Le 26 août, voilà. Merci à tous les participants, à tous ceux qui partageront ce post, ça lui fera plaisir. Bass and Rod. Ah, je pense que c'est un autre youtubeur, quoi. Je pense.
Ah, c'est un youtubeur, Véron, d'accord. Ouais, je pense. Ouais, mais ça, bah, je suis désolé, ouais, ça change pas. Non, mais ça change tout. Non, mais ça change tout, quoi. C'est pas le genre le pote c'est perso. C'est quoi cool, ouais, bah, ça change tout. Hein. Ah non, je suis désolé. C'est pour son putain d'anniversaire, quoi. Non, mais c'est là, c'est pas possible, quoi. C'est un truc. Oui, c'est pas trop loin. Enfin, non, est-ce qu'on peut voir le montant de la cagnotte? Si on devait payer une cagnotte pour réparer la BN de Tulf, tu vois, ça se fait. En fait, ces gens-là, ils se prennent pour Dieu, ça y est, ils sont youtubeurs. Faut que le peuple leur donne. Ouais, c'est des enfoirés, les youtubeurs. Ouais. Je déteste. Oh, tous. Le gars, c'est là, on peut parler de la Lune. Ou... Ouais, j'avoue, go cagnotte. Non, mais moi, je trouve ça. En fait, je trouve que c'est vraiment exploiter la gentillesse de certains qui sont sincères. Ouais, tu profites de ta notoriété pour. Voilà, je trouve ça quand même un petit peu limite. C'est moins qu'on puisse dire. C'est clair. Ouais. Alors, le montant de la cagnotte, mon cher Cyber, mais nous allons regarder ça tout de suite. À mon avis, c'est pas énorme, hein, mais bon, quand même. C'est encore plus marrant, quoi. Alors, c'est pour le mec. Oh putain, putain, bien. 64 euros. Bah, c'est pas mal. Le mec, quand même. Quand même. Un sandwich, c'est fini. Bon, Olivier, est-ce bon que tu me permets de rétablir la vérité sur la cagnotte de comment il s'appelle le gars, là, le youtubeur. Rétropolo non, l'autre. Merde. Le maire. Ah oui, Gunned. Est-ce que tu me permets de rétablir la vérité sur la ouais. somme de Tulf de 5 euros? Ah oui. Finalement, c'était pas du tout moi, c'était bien sûr Babili. Ah, tu comptais, tu voulais vraiment le dire. Hein, j'ai rien donné du tout. Les gens, ils ont cru que c'était moi, mais non, en fait, j'ai rien gagné du tout. Effectivement, c'était moi. Non, mais après. Parce que tu m'as dit en MP, Tulf. C'est tout ce que je dirais. C'était juste pour rétablir un peu cette vérité. Et est-ce qu'on a des retours sur l'affaire Yonet d'ailleurs là, bizarrement, il n'y a plus trop de. Non, je crois que il y a un procès qui a été repoussé, mais genre dans un an, je crois. Parce que en fait, là, c'était juste un délibéré de mémoire. Il y avait pas, enfin, c'était pas, c'était non, c'était une audience préliminaire, je crois. C'est comme ça qu'il y a. Cette connaissance poussée des joueurs, des rois. Ah, c'est le droit à peu près. La justice à peu près. Déjà que tu connaisses tout ça, tu vois, c'est suspect. Le justicier de Bépini. Franchement, je suis pas du tout dedans, en vrai. Alors, Skybazer, encore un délire de youtubeur collectionneur, l'élite boursière de l'économie. Bon. Je sais pas si ça caractérise spécialement un mec comme Rétropolo. Je pense pas que ce soit spécialement un youtubeur collectionneur. Je pense que c'est juste un mec qui veut faire des vues. Bon, j'ai rien contre lui, personnellement, mais. C'est l'anniversaire de Disto, apparemment. Ouais. Les anniversaires Disto. Bah, du coup, la cagnotte, quand même, on peut. Quand même. Bah, la cagnotte, ouais. Pour Disto, puisque vivre sans argent, c'est pas évident. Quoi. Alors, ouais, j'ai un autre sujet maintenant, c'est les cadeaux. Les cadeaux, qu'est-ce que vous en pensez les youtubeurs qui reçoivent des cadeaux. C'est un sens. Les enfoirés. C'est un détail, je suis contre, moi. Ils devraient pas aussi, ils devraient refuser. C'est des putes. Eh ben, je vais vous parler du cadeau que j'ai reçu, du coup, après les propos du mec. Pour ou contre, c'est une question contre, un peu basique. En fait, je peux nuancer. C'est si t'as un mec qui prend la peine de faire un truc custom, tu vois, genre il fabrique un truc, tu vois, qui est en rapport avec le youtubeur, tu vois, il met son cœur pour dire merci. Tu vois, mais s'il s'agit de recevoir un colis de jeu ou un linker MVS et que tu l'acceptes, ça sent le somme quand même. Le mec, il est au SMIC. Ça sent tellement le parce que. Aussi, vraiment, il a raison. Si tu l'acceptes, voilà. Ce cadeau-là, en sachant très bien que l'autre, financièrement, il n'est pas fou et tout, et que toi, il te file un truc à 200, 300, 400 balles, bah t'es une merde. Et tu penses à qui? Ah, là... quoi. On peut dire non. De. Tu parles là, non? Ou pas? Hein? Là, il y a Andy qui a reçu un linker, il y avait Flea qui a reçu un colis. Il n'y a que les riches qui ont le droit de faire des cadeaux dans ces cas-là, monsieur. Mais bravo le mépris de classe. Merci, monsieur Diplek. Si tu fais un cadeau. Non, il n'y a que les riches qui ont le droit de recevoir. Mais non, plus sérieusement, il y a un phénomène religieux chez le youtubeur, tu vois, qui reçoit un cadeau comme ça. Tu vois, c'est de la ferveur religieuse, c'est malsain, quoi. C'est une adulation.
Ça devrait parler, ce genre de truc, quoi. Tu sonnes. D'accord, c'est pas un cadeau, c'est une offrande, quoi. C'est, Ouais, c'est une offrande, c'est pas un cadeau, c'est une offrande. C'est aime-moi, mon Dieu. Tu vois, je me sacrifie pour toi. C'est putain de malsain. C'est de la merde. Tu dois dire non, quoi. Tu vois, si t'aimes vraiment ton public, tu dis non. Mais si tu penses à ton profil, tu dis oui. Tu vois, il y a un côté sectaire, ouais, un peu chelou, quoi. C'est un peu trop binaire, ce que tu dis, je trouve, mais... Ah, toi, tu veux des cadeaux, là. Non, mais j'ai toujours dit que j'étais plutôt... Envoyez des cadeaux à Baby Guy. N'hésitez pas, il les prendra. Non, mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, tu peux pas refuser... Enfin, si vraiment quelqu'un veut te faire un cadeau, tu vois, faut pas non plus être dans l'excès, tu vois. Enfin, dire, ah là, est-ce qu'on peut pas. Bah, si le mec il offre une casquette, tu vois, j'en sais rien, ou une cartouche en loose, j'en sais rien, tu vois, en disant, vas-y, teste-le. Ouais, très bien, tu vois. Mais si le mec il envoie un colis, il y a un putain de Hagané et 3 et 5 autres jeux, là, ou alors un linker à 500 balles, bah, tu dis non. Tu dis, mec, va te faire soigner. Tu vois. Au moins, je dirais, attendez, je vais être plus hypocrite que ça, au moins tu fais semblant. Au moins tu dis non, tu peux pas, non, arrête. Bon, après, voilà, t'en rajoutes pas trop parce que t'es bien content de le recevoir, mais tu fais au moins cette corruption absolue. Puis, des fois, il faut se méfier parce que des gens ils t'offrent des cadeaux par intérêt, et après ils vont te le reprocher derrière. T'as vu, je t'ai offert. Ouais, en plus, il y a ça. Ouais. Ah, moi, je suis très méfiant sur les gens sympas ou sur les gens qui te font des cadeaux. Je suis très, très, très méfiant, perso. Ouais. Après, le problème, c'est ceux qui veulent surenchérir, quoi. Après. Que Giflex soit méfiant de recevoir des cadeaux, ça peut se comprendre, parce qu'il n'y fait rien pour en recevoir. Mais dans le fond, offrir quelque chose, il n'y a rien de mal. Le problème, c'est les dérives que ça peut engendrer. Et c'est ça que vous avez envie de souligner, j'ai l'impression. Non, après, oui, ce que j'aime pas trop, c'est parce qu'après, les mecs, ça devient normal. Et c'est pas ça le truc, c'est qu'un mec commence à en envoyer. Le mec, il dit merci, le met en avant. Dans les autres, les non-naines, qu'on dit aussi qu'on les met en avant, vont envoyer des cadeaux. Oui, et à la fin, le mec, toutes les semaines, il reçoit des trucs et il exploite ça, tu vois. Il exploite la détresse des gens qu'il a vu, en fait. Après, c'est un échange de bon procédé. La personne qui offre, c'est le plaisir. Les relations tarifées, tu sais. J'ai de l'argent. Et... D'ailleurs, Babiki, tu peux témoigner. Toi, tu reçois des caisses de sperme de chelou, non? Alors, je tiens à préciser quand même que j'ai fait aussi des cadeaux en retour. J'ai pas forcément parlé, mais j'ai envoyé un t-shirt, j'ai envoyé non, mais voilà. Après, ce qui me dérange juste, c'est encore une fois, c'est l'espèce d'émulation que ça va créer chez les gens un peu fragiles qui vont se dire. Ouais. Ouais, génial, il va citer mon nom. C'est ça. Après, si tu as de l'argent, c'est pas grave, tu te fais plaisir, mais il y a peut-être des gens un petit peu... Je pense que la bonne attitude à avoir pour un YouTuber, c'est d'abord de s'assurer que la personne qui fait le cadeau est dans une situation confortable. Si tu te poses même pas la question, c'est quand même... tu commences à parler avec des gens, qu'est-ce que tu fais comme travail, tout ça. Enfin, si le mec te dit, ouais, je suis au RSA, j'habite chez maman, et qu'il t'envoie 3 caisses, tu peux effectivement avoir des difficultés pour te regarder dans une glace. Je me demande, c'est-à-dire que le gars en question, là, le youtubeur, il a mis une adresse quelque part, quoi. Il y a un échange avant, et une adresse. C'est ça aussi où tu te demandes si vraiment tu veux pas le cadeau, tu le reçois pas. Je veux dire, c'est pas compliqué, tu donnes pas ton adresse. Bon, mais après, moi j'en veux pas aux gens qui acceptent les cadeaux, faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que le cas de Raled avec ses 3 colis là, bon, déjà ça m'a fait rire parce que ça fait semer tous les youtubeurs. YouTube game, moi ça m'a fait rire, mais c'est vrai que c'était incroyable. Il y a 3 colis avec c'est ouf. C'était des cadeaux. En fait, il a reçu des cadeaux. J'ai vu l'année au GOCD, j'ai fait non, c'est trop. Il va faire des AVC. Il y a des mecs qui vont faire des AVC. Est-ce que vous pensez pas que c'est Matosen Games qui lui a envoyé justement c'est le jeu du mec qui l'a vendu? C'est du putain de blanchiment. C'est du blanchiment de ouf. Cette association de malfaiteurs. Ça serait énorme. Attends, j'en fais une vidéo, je fais croire que c'est quelqu'un, comme ça il y en a d'autres qui m'offriront des cadeaux. Non, c'est... Il est drôle, quoi.
Est-ce qu'il est de Rouen? S'il est de Rouen, c'est possible. C'est bien un petit faisceau d'indices concordance. Ce serait bon. Ça serait presque drôle, tu vois. Ça, tu te fais avoir, mais tu rigoles quand même. Tu dis, ah putain, bien joué quand même. Franchement, vous avez bien joué, les mecs. 104 Wooers, le drame à paix. Mais oui, mais c'est pour ça que je le fais. Tu te doutes bien. Tu te doutes bien que c'est. Je suis pas pour ça. 19-4 Fouiniman, ouais. Non, après, c'est un petit peu non, en avance. Il a reçu combien? J'avais même pas suivi cette histoire. Il a reçu 3 colis remplis de jeux. Alors, est-ce qu'on est capable de dire combien ça représentait? C'est énorme. Je ah ouais, même... c'est. Bah, déjà, c'est 5 chiffres, on est sûr. Je pense que ça représente 19K, à peu près. Non, quand même pas. Non, je pense pas, mais à mon avis. Ah bon? Tu dirais pas 10 000 quand même. Attends, avec tout. Non, attends, pas 10 000, non. Pas 10 000. Non, non, je peux. Ah ouais? Okay. Non. J'ai peut-être pas tout vu, alors peut-être que j'ai raté des trucs. Non, moi j'ai vu de la Super, enfin, je sais pas, de la Super Nintendo, de la Neo Geo CD. C'est pas donné la Neo Geo CD, non? Je suis pas fou. Ça dépend. Ça dépend du jeu, mais à mon avis, ça serait plus 2000, peut-être un truc comme ça, tu vois. Ah, déjà, c'est beaucoup. Ah, d'accord. Ouais. Ah, ouais. Non, je sais pas. Après, je j'en ai aucune idée. En fait, je voulais faire du sensationnel, c'est tombé à l'eau. Attends, 2000 euros, t'imagines, tu reçois 2000 euros, c'est un truc de fou. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même. Après, la question que je vous pose, parce que là, pour le coup, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il dit qu'il va pas revendre les jeux. Selon vous, enfin vous, est-ce que vous, si vous receviez un cadeau comme ça, est-ce que honnêtement, vous les garderiez ou pas, ou vous les revendriez? Moi, je le refuse. Bon, déjà, tu refuses, mais genre, si tu refuses pas, qu'est-ce que tu fais? Bon, si c'est un mec riche qui me l'offre. Ouais. Bah oui, cette posture là, arrête, perds la morale, arrête. Je sais que tu as du mal à comprendre que des gens puissent avoir un honneur, mais c'est possible. Mais je fais un euro million, je te propose n'importe quel jeu, mais tu le prends les yeux fermés. Mais même maintenant, si le mec, je sais qu'il est riche et qu'il m'a. Mais riche, c'est quoi déjà? Enfin, c'est ouais. Quoi, c'est classe? Bah, j'en sais rien, c'est fonction du cadeau et c'est fonction de. Est-ce que c'est roulant en sirocco être riche? Malheureusement, non, mais j'aimerais bien. D'accord. Et. Donc, si je le revends, si c'est un truc lambda, un produit de consommation lambda qu'il n'a pas fait lui-même, ouais, vergogneless. Hein. Tu vois? Vergogneless. C'est vrai, ouais. Moi j'attendrai peut-être un peu. C'est mon côté hypocrite, j'attends 6 mois. J'ai pas dit que je le revends tout de suite. Non, hein. Mais t'attends plusieurs mois, ouais. Et après, ouais allez, si tu les as en double, attends, si tu les as en double, tu vas pas faire semblant, quoi. À un moment donné, c'est bon. Ouais, c'est rien à foutre, hein. Bah après, oui. C'est comme dit Alf aussi, le mec qui a ton adresse postale, tu sais si, pas si, si je me fais choper, je dis merci de m'avoir aidé à améliorer ma chaîne YouTube en achetant des nouveaux matos, tu vois, une connerie dans le jeu. Ouais, le truc comme habituel. Le mec lui a dit clairement, tu peux les revendre, je m'en fous, quoi. Donc, ça a été évoqué, je crois. Ah, il y a ouais. Dit. Ouais, c'est ouais. Ce qui me semble aussi, ouais. Mais pourquoi il avait fait ça? Il avait dit quoi? C'était quoi la motivation derrière un don pareil? Qu'est-ce que c'était? Alors le cheminement pour moi c'était, je crois que c'est Ralph Fineman qui cherchait quelque chose. Et lui il lui a dit ouais je l'ai pour toi, je peux te l'envoyer. Mais c'était vraiment, c'était une broutille. Et le mec il en a profité pour ajouter des trucs en fait. Donc ça qu'à la base c'était un petit cadeau et c'est devenu un énorme cadeau. Voilà. Ça se trouve, le mec, il est dépressif, tu vois, sur le point de se suicider. Ça, il se dit, vas-y, ça va venir à quelqu'un. c'est une histoire horrible derrière. Si ça peut l'aider à ne pas se suicider, c'est. Ah, je pense qu'au contraire, ça va le faire, puisqu'il s'est dit, c'est bien et tout. Pour lui, c'est fini. Il a regardé la vidéo, au moins, tu vois, avant de le faire. Ouais. il a gagné 15 minutes de vie. Ouais. Après, je me dis, est-ce que c'est possible que le tout premier cadeau qu'il a reçu, le premier colis qu'il a reçu, est-ce qu'il ne l'aurait pas acheté? Et fait croire que c'était un cadeau pour pousser les autres à faire un cadeau, tu vois. Ouais, ça, c'est pervers, ça. Mais ça peut marcher. Qui, tu parles de qui? C'était calculateur, oui. C'est ouais, calculateur. Bah, je parle de Fouine, imagine. Oh, mais non. C'est possible, hein, franchement. On va go m'acheter. J'annonce un déballage de cadeaux sur la chaîne de Babigui d'ici 2 semaines. On attend. De jeux vidéo. T'imagines le budget du truc? Enfin, c'est pas crédible, non? Bah, tu prends juste des trucs que t'as pas montré dans ta collection, quoi. C'est ah, tout. Des trucs que t'as... Ah, ouais. Ouais. Mais c'est faisable, quoi. C'est faisable. J'aurais fait un faux colis. Je crois que c'est comme ça qu'il a commencé, Jonathan Daval. Hein. Mais je suis pas sûr. Mais... C'était quoi ce genre de subterfuge-là, c'est bizarre. Les profils de mecs, un peu chelou, ça. Et je vais jusqu'à la poche, on m'envoie un colis à moi, mais monsieur, c'est votre nom. Oui, oui. Vous habitez dans cette ville, monsieur. Oui, oui. Ah, mais tu ne montres pas l'adresse sur la vidéo.
Non, mais je te parle de l'action. De te faire un colis. Entre guillemets, cyber d'aval qui ne voulait pas faire un enfant à sa femme et qui finalement, après l'avoir tué, l'a violé. Quoi. C'est n'importe quoi. Ah, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce détail. Oh, putain. Mais je te le dis, ouais, c'est assez. C'est ça, là. Ouais. Elle obligeait, le mec, c'était un peu un faible. Elle l'obligeait, en fait. Elle voulait absolument avoir un enfant. Donc, elle le poussait. Lui, il en avait marre. Ça lui a mis la pression. Il l'a canné, la gonzesse, et une fois qu'elle est cannée, il l'a baisée, en fait. Tu vois, le mec est complètement fou. Il fallait ça pour y arriver, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça, ouais. sans transition. Voilà, sans transition. Du coup, Raled... Merci pour la démonétisation. Je pense que Raled, c'est peut-être faux, parce que je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il inspire de la sympathie. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment des fans... Tu vois ses commentaires. Mais ça transpire la bienveillance et à l'aide. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est ton racisme. Tu es en train de dire que Raled est un hypocrite. C'est ça que tu veux dire en fait. Non, c'est toute cette bienveillance, ça me dégoûte quoi. Ouais. Sérieux. C'est le grand frère que t'écoutes. Ouais. Il a le ton adéquat quoi. Il est réconfortant, je pense, pour certains, pour certains. C'est pour ça que moi j'aurais jamais. Pourquoi ça sonne fake à mes oreilles, tu vois, ce genre de truc quoi. Parce que tu peux pas considérer qu'il y a des gens bien, c'est ça ton problème. Bah oui. T'as un pote, tu le traites d'enculé, c'est la base quoi. Je veux dire, je comprends pas les autres dynamiques, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Un type que j'aime pas, je vais lui dire monsieur, merci, tu vois. Un type que j'apprécie, je vais dire ferme ta gueule, enculé, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est logique. Mais ouais, mais c'est parce que t'es algérien au fond de toi, c'est pas pareil, tu vois. Ça doit être ça. Ouais. C'est les jeunes africains qui parlent. Ouais, je pense. Ouais, et apparemment c'est un PD, hein. Faut pas tourner autour du pot. Bah, c'était que ça, c'est pas brouillé. Comment il parlait et tout, moi j'aurais dit que c'était une tarlouse. Ouais, non, mais apparemment il s'est mis en couple avec un homme. Non, c'est pas une blague. Il avait des vues sur Raled. De qui vous parlez, de qui parlez-vous? Jonathan Daval. Ah, Daval. Ah, ok. Ouais, il faut quand même annoncer quand même avant. Franchement, heureusement, on a posé la question. Il y aurait eu. Bah, t'as loupé le. Il y aurait un drama là. Il y aurait eu Edge dans sa voiture. Edge dans sa voiture. Je voulais pas faire cette vidéo, mais là, c'est pas possible. Les gars sont encore. C'est encore mieux. Je vais arrêter. Daval en couple avec Guy Georges, c'est ça. Ok, alors Chaos peut-il offrir harmonie? Eh bien, écoutez, sur le long terme peut-être, mais pour le moment, je vois une femme qui est amoureuse, qui est profondément amoureuse, et moi ça me touche. Ah d'accord. Bah, on a l'impression qu'elle accepte tout et n'importe quoi de la part de son mari, des achats complètement stupides. On voit qu'elle en a strictement rien à foutre, mais elle l'aime, donc elle accepte, c'est beau. Non ? Cette waifu idéale. Une forme de dévotion, ouais. Mais j'avais pas bien compris sur le long terme au début, mais après tu t'es expliqué, tant mieux. Ouais. Bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que... Ah oui, ça t'intéresse pas du tout. Je te rejoins, franchement, ça se voit qu'elle fait l'effort, quoi. Elle fait l'effort de fou, ouais. Quand elle joue à la Neo Geo, là, c'est... Ce forcing. Il essaye de lui dire, bah, Chun-Li, tu connais Chun-Li quand même. Et puis qu'elle le regarde dans le vide comme ça en disant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Chun-Li en fait. Enfin, c'est beau quoi. Ouais. Alors maintenant, la chineuse. Non, je rigole. J'aurais pas le moment de parler de Mario Wonder. Là. Alors oui, Mario Wonder. Ouais. Oh là là. Bah, c'est préco, hein, c'est préco, mec. Nintendo, jeu de l'année. C'est Pépé qui le jeu de l'année est préco. Il a téléchargé le jeu. Non, il dit que c'est pas dispo en pirate. Pépé, il a trouvé qu'on a. Je leur ai dit le contraire. Je n'ai pas confiance au goût de Pépé, hein. Désolé, vestimentaire ou vidéo ludique, il est claqué. Hein. Mais. Bah après, on peut regretter dans les niveaux que j'ai vus une teinte un peu trop pastel à mon goût. J'aurais bien aimé des couleurs plus prononcées, mais je sais pas si j'ai pas vu tous les niveaux. J'ai pas vu donc. Moi, j'attends, je me spoil pas. Zéro spoil. Pour moi, ce sera le plaisir de la découverte. Mais tu joueras pas, commence pas. Bien sûr que si, j'y joue, j'ai fait tous les Mario plutôt. Sauf le Sunshine. Ah. Sauf le Sunshine, ça va être une tuerie, c'est garanti.
C'est vrai qu'il y a une tendance, les couples. Moi, j'en vois de plus en plus. Là, il y a un couple, d'ailleurs, c'est un sosie de Chaos et Harmonie. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la version Wish un peu. Retro Gaming. Ouais. Non, c'est plutôt c'est des vide-greniers, quoi. D'ailleurs, les vide-greniers, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus là, des vidéos vide-greniers là. Non, ou je sais pas, je me trompe là, ou c'est en expansion là sur YouTube, non? En fait, le problème des vidéos vide-greniers, c'est qu'il suffit d'en cliquer sur une pour rigoler et tu te fais inonder. Ah, trésor du grenier peut-être. Ouais. Il y a quelqu'un qui mange un yaourt là, non? Non, tu connais les trésors du grenier? Je sais pas, je connais pas. Les trésors du grenier de Nat. Ah, les trésors du grenier. Non, je pense que c'était une blague de sa part, non, peut-être. Ben oui. Ça existait, je suis sûr que ça existait. Quelqu'un qui prépare un couscous en lave. Qu'est-ce qu'il raconte? Tech Time, ouais, qui était passé d'ailleurs. Moi, je les aime bien, moi. Tech Time. Ils sont gentils. Ouais, c'est un peu. Surtout, comment tu fais pour faire une vidéo sur des vide-greniers en 2023 quand tu trouves plus rien? Tu vois? C'est gonflé. T'achètes des merdes. Trois quarts des chaînes, des vidéos doivent être bidons, tu vois, c'est garanti. Je pense qu'il y a beaucoup de bidons, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de bidons. Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu veux ramener d'un vide-grenier en 2023, tu vois? Ok, j'ai trouvé trois habits pour le petit, une BD et ce FIFA PS2, tu vois. Ok, super. Go live, quoi. Ah, quand tu dis que c'est bidon, parce que attendez. Quand ils se filment en live, c'est pas bidon, non, ils peuvent pas. Ils filment quoi en live, les mecs? Ils filment les stands. Et puis après, ils font une coupure, et ils rentrent chez eux et ils montrent ce qu'ils ont acheté. Ouais, mais tu les vois sur les étals, généralement, les produits. Bah, fais attention, tu les vois pas forcément sur les étals. Ouais, je sais pas. La tristesse du mec qui prend un grand Twispo. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est surtout que je pense qu'ils se forcent à acheter des trucs pour les montrer. Donc en fait, qu'ils achètent de la merde. En fait, ils en ont rien à foutre. Mais juste parce qu'il faut rentrer. À la vidéo, bien sûr. C'est horrible. Non, mais je veux dire, c'est déprimant. Je connais bien des mecs qui se forcent à finir des jeux, tu vois. Là, j'étais sûr que. Du coup, ça m'arrive pas encore, mais en fait, ça m'arrivera. Non, je me force pas encore. Après, c'est plus sympa de le faire au Japon, quoi. C'est sûr. Ouais. Ah, peut-être au Japon, j'ai peut-être un peu forcé parfois, c'est vrai, mais le Japon, c'était pour rigoler. Bah, je suis en boîte pour Samurai Spirits. Alors, je sais pas s'il déconne, mais c'est pas cher, ça, ouais. C'était quand, Thierry Bass, mais. Non, je pense que ouais, les mecs apportent leur propre matos, ils filment le matos en question dans leur propre coffre. Ah ouais. Ouais, c'est obligé. Bah dans le lot, il doit forcément en avoir qu'il fraude, quoi. Une fois sur deux, la plupart c'est de la daube, ouais. Franchement, il y a vraiment fini mon truc. Bah moi je suis désolé, mais moi quand je regarde des vidéos comme la chineuse ou comme les trésors de Nat, je l'aime bien, mais c'est pas des trucs de ouf quand même qui trouvent, quoi. Enfin, c'est des bricoles. Enfin, après chacun son truc, mais. J'ai jamais vu. C'est pas ouf, c'est que c'est pas bidon, tu vois. Oui, c'est pas bidon, moi je pense, mais c'est juste que c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est parfois des poupées. Parce que t'as des mecs sur Facebook, tu vois, t'as un gars sur Facebook, je me souviens plus de son nom, mais genre. Je les connais chaque pas. Chaque putain de semaine, il te ramène. Le mec, il te fait des posts, là, je sais plus comment il s'appelle, le gars. Il a un prénom à sonorité arabe. Mais il te ramène des tueries intersidérales, tu vois. Chaque putain de semaine, tu vois. Toute l'année. Je suis désolé, mais c'est un peu désagréable. C'est une drogue, la dopamine, tu vois, des commentaires et tout, c'est une drogue. Ça, c'est ta thèse depuis toujours, Deepflex. C'est-à-dire qu'en gros, les youtubeurs fonctionnent à la dopamine. Bien sûr. Évidemment. Moi, je pense que je suis blasé. Je sais pas, moi, j'ai pas le sentiment, vraiment, je te jure. Alors, toi, tu es différent, tu es spécial. Oui, mais disons que le commun des mortels, tu vois. C'est différent. Moi, les vues, honnêtement, ça me touche pas trop, mais c'est pour ça que tant mieux. Je veux dire que t'es sain d'esprit, mais je suis pas en dépression encore, mais la plupart des gens, franchement, tu prends un panel de 100 personnes, t'en auras un minimum 60 qui seront rendus dingues par le fait d'avoir des commentaires, de l'attention et des likes. Non, mais tu sais, je pense que quelque part t'as un coup, Babi. Ça te manquerait pas de faire des lives, quoi. Cette violence. Des lives, c'est-à-dire. Ouais.
Tu peux arrêter de faire des lives pendant 3 mois. Quoi. Ah oui, de ce point de vue-là. Non, après, c'est vrai qu'il y a une dépendance dans le fait d'échanger avec des gens, ça c'est vrai. Ouais, tu vois. Je pense que Cyber, par exemple, c'est pareil pour toi. Je veux dire, t'as quand même un plaisir d'échanger. C'est quand même... Ouais, moi je vois ça comme un plaisir en fait. Après, il faut avoir un certain. De... Mais c'est le plaisir, voilà. C'est ça. C'est... Mais c'est pas les vues, tu vois, je m'en fous un peu. Non, mais ça, si, moi je vois ça. Moi, les vues, je vois ça à mon niveau comme un petit scoring, quoi. C'est... Ouais, ça me fait mal, tu vois, c'est rigolo. C'est pas... Oui, d'accord. Non, mais d'accord, ça fait. Là, typiquement, qu'on soit 117. C'est rigolo parce que ça n'arrive jamais, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs ce soir spécialement. On parle de youtubeurs et de drames, c'est tout. Ouais, mais bateau Sand Games, on a fait le tour, non? Ouais, non, ça fait parler aujourd'hui, comme sur Facebook, c'est tout. Ça fait... Alors bateau Sand Games, juste pour conclure. Julien Courbet, voilà. La puissance de Julien, quoi. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a un round 2 demain, il faut savoir que Julien Courbet s'est engagé à contacter la banque. Normalement, demain, nous saurons s'il y a eu le virement ou pas. La banque n'est pas tenue de lui répondre. Hein, oui, mais il a dit qu'il était en contact avec le directeur de la banque. Je pense que bon, c'est Julien Courbet quand même. Donc, à mon avis, il faut qu'il fasse attention parce que divulguer des informations d'un compte privé, je suis pas sûr que ce soit autorisé. Non, mais il va juste. Il a le droit de divulguer les infos que l'acheteur. En gros. Non, attends. Julien Courbet, il n'a aucun statut pour faire cette réclamation à un moment donné. Non, mais sa notoriété, peut-être, tout, tu vois. Bah, une banque, elle n'a pas à répondre à la notoriété, normalement. Enfin, non, mais elle peut le faire. Si... Il y a peut-être un passe-droit. Bon, ça ne me choque pas plus que ça. C'est ça. Là, Matos Endgame, il est en droit d'appliquer. Et crois-moi que là, c'est très réglementé, ce genre d'informations. C'est-à-dire qu'un directeur de banque, il a accès à des informations, il est tenu par le secret professionnel. Il n'a pas à répondre à Julien Courbet. Il faut voir ce qui va se passer. La police interdit. Bien et tout, ouais, mais Julien Courbet, non. Bon, pronostic, le directeur de banque. Pronostic, est-ce que vous pensez que. Est-ce qu'il a fait le virement ou pas? Allez, qui. Non. Allez, prenez un risque. Quoi. Non, il n'a pas non. fait. Moi, je pense qu'il est possible que depuis qu'après qu'il ait raccroché avec Julien Courbet, il a envoyé une partie. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible qu'il fait un virement aujourd'hui. Ouais, pour démontrer sa bonne foi, tu vois. Alors, sondage. Réponds non, quoi. Ouais, Tout l'argent qu'il l'aurait fait avant Julien Courbet. Non, bien sûr que non. Non, il l'a pas fait. Moi, je pense pas. Mais ça paraît parce que Simon, il aurait répondu au vendeur. Et puis, quand tu envoies 19 000 euros, tu passes un petit coup de fil, un petit message. C'est bon, t'as reçu, tu vois. C'est le minimum. C'est la moindre des choses, on est d'accord. Ouais. Allez, sondage. Ouais, parce que t'as envie de savoir l'état de tu vois. As-tu fait le virement? Moi, quand je fais un virement PayPal de 50 balles, je vois le mec direct, t'as reçu, c'est bon, hein, t'as reçu, hein, putain. Hein. Et puis après, il t'envoie ses baskets, c'est ça? Exact. C'est pour ça que Deflect, TN. C'est pour ça que tu as un pseudo par forum, c'est-à-dire 10 pseudos. C'est à peine suspect, quoi. J'ai toujours posé la question. Ça c'est go diffamation direct, hein, poteau. C'est vrai, Deflect, il a un pseudo. 17ème chambre, mon gars. Hein, tu seras à côté de Sora, là, juste avant lui, à la séance. Six mois ferme. Marche à la forêt. Six mois ferme. Alors, il y a 14 gros youtubeurs. Il y a 14% qui disent oui qu'il a fait du virement. Donc, il y a quand même 14%. Gogol. Non, mais 17% maintenant. 17% des gens qui pensent qu'il a fait du virement. Écoute, ouais, c'est beau. 17% de QI négatif. Non. Je prends encore l'humanité. Je vais pas le citer. Les gens dans mon Discord, il y a une personne qui était persuadée qu'il avait fait du virement. Parce qu'il avait fait des bonnes transactions avec lui. Déjà, voilà. Auparavant. Bon, ça peut être différent. Je suis pas au courant de cette histoire. Ouais. Bon, après, c'est compliqué si on n'a pas les tenants. Les oui, on n'a pas sa version. Et puis, il faudrait pas non plus que... Enfin, tout à l'heure, vous avez évoqué les soucis financiers et tout. Si c'est le cas, on lui souhaite de s'en remettre. Hein. Ah oui, non, mais moi, je comprends. Ah, on lui veut pas de mal. Hein. C'est, voilà, non, c'est mais il est con, quoi. Non, tout ça parce qu'il a pas voulu faire moins 5 euros sur ton Sonic. Ça y est. Non, il pourrait régler ses soucis. Non, mais je trouve quand même. Aussi en étant honnête et en contactant exactement. Le mec et en faisant une première approche, je dirais bon, je voilà, vais faire un échéancier et voilà quoi. Enfin... Bah, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, c'est ce qui se met ouais, en relation. C'est mieux pour tous les deux, bien sûr. Surtout le mec qui est passé chez Julien Courbet, ça a pas l'air d'être un méchant type, tu vois. Il a l'air plutôt. Tu vois, il a l'air. Enfin, alors, ça dépend, t'as quel âge. Après, je. Putain, la violence. Non. Tu viens par rapport à son physique.
retire, je rigue. Hein, je rigue. Ouais, non, je rigue. C'est le cake de ouf, là. C'est phénotype cake. Ouais. Ah, je sais pas, mais Skyblazer, j'ai jamais compris. C'est quoi ta position? Ce qui se moque de nous, on lui veut pas de mal. Bah... Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, si ce qu'on a évoqué, parce qu'on a évoqué plusieurs hypothèses en vrai, s'il y en a qui s'avèrent réelles comme celle qu'il est en difficulté financière et tout, moi franchement, je lui souhaite de s'en remettre. J'espère qu'il va s'en sortir, tu vois. Parce que voilà, il a essayé de vivre de sa passion, il a voilà. Mais il faut pas mettre des douilles aux gens, faut payer les gens, tu vois, au bout d'un moment, tu vois. C'est pas réglo s'il a fait ça. Donc, qu'ils se mettent en relation entre eux et qu'ils trouvent un arrangement, quoi. Et d'ailleurs, s'il est là, bah, qu'il n'hésite pas à venir. C'est genre, il va venir. Genre, le mec, il va venir ce soir. Quoi. Et nous accueillons. Nous accueillons Matos & Games. Ah, par contre, Courbet. Greg et les stats. Qui... Hello, salut les mecs, c'est moi, c'est Greg. Oui, tu sais. D'ailleurs, quel silence de mes collègues youtubeurs. On a rien entendu, là. Attendez. Ah ouais, c'est vrai que ça, y a pas eu de. Bah si, y a eu Stone Cold, bien sûr. Cold et... qui m'a grillé la politesse. J'ai dit, ouais. Dit putain, c'est un foiré, là. Après, je sais pas ce qu'il a dit, Stone Cold. Moi non plus, j'ai mis, il parlait pas de ça, je comprenais rien. Tu vois, il parlait d'FPGA encore, autre truc, je comprends rien. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un fou qui est devant son tableau, là, avec plein de trucs, et il fait des croix, des cercles, des flèches. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a Cozy Kazé qui dit si le vendeur avait parlé en mode hey, mon cousin, il est où mon argent, ça se serait déjà réglé. Big Match, je pense pas que ça lui serait arrivé, tu vois. Genre distant. C'est ouf. Ah, mon copain, mange te mort, mon copain. Ah, je pense que la collection aurait coûté 29 000 euros finalement. Tu vois, il y aurait même eu renégociation du montant. Non, mais le mec a l'air trop gentil aussi derrière, sincèrement, quoi. Ça a l'air. C'est pas ouais, un bonnet, peut-être pas un bonnet, mais il est. Non, mais peut-être un peu naïf, quoi. C'est tout. Ouais, mais après, là-dessus, on peut mettre en face la bonne image qu'avait la boutique, quoi. C'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, j'ai regardé les commentaires. Hein. Il y a juste un mec... C'est vrai que c'est pas rien, mec... tu vois. Il y a juste un mec comme Vegas hein, qui disait qu'il n'était pas aimable. Mais sinon, pour le reste... Oui, après, bon, Vegas, il n'était pas trop crédible. Mais... Alors ça, c'est aussi un sujet futile, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez des youtubeurs qui vont dans des conventions et qui font la gueule? Genre, quel est le... Ce sujet essentiel. Il n'y a pas d'intérêt. Ah, mais je suis désolé, mais c'est un truc qui m'énerve, tu vois. Non, il n'y a pas d'intérêt, ouais. Alors, moi, je... Go, c'est le truc qui m'énerve avec Colique Fantastique, là, go. les gens qui font la coupe du camembert. Les gens qui disent bon appétit, moi ça m'insupporte. Non mais attends. Les mecs qui donnent pas de pourboire au serveur, putain. C'est l'envoyé spécial Vegas dans les conventions. Apparemment, il va voir des gens, tout le monde lui tire la gueule quoi. Donc à un moment donné, c'est Vegas. Ouais, c'est peut-être juste ça. Ça se trouve, oui, c'est qui. Non, alors après, il faudrait savoir si les mecs font la gueule tout le temps, parce que ça peut t'arriver un jour de. Je sais pas, t'as mal dormi, t'as machin, tu vois. Mais si c'est tout le temps le cas, pour se la raconter en plus, parce que c'est souvent une attitude un peu. Ça fait un peu le prince des Saiyans, quoi. Tu sais, genre, je suis tout le temps vénère, mais ouais, c'est naze. Attends, Gigix, il va faire la gueule? Non, je pense pas. Non. Bah, attends, non, j'ai vu la vidéo, honnêtement. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a toujours dit que c'était pas trop son truc. Mais c'est là que tu vois que c'est un pro. Et je pense qu'il est un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, ça me fait entre guillemets chier. Mais si je le fais, j'irai à fond. Et je pense que lui, c'est pareil. Tu vois, je pense qu'il fait plaisir aux gens. Il fait des blagues et tout. Non, pour le coup, je pense que lui, c'est bien fait. Tu vois, pareil comme Coli. Tu vois, enfin, je pense que c'est naturel chez lui en plus. Mais il y a peut-être des gens, oui, qui sont pas très avenants, mais tu vas pas en convention, tu vois. Enfin, c'est... Oui, tu vas pas. Il y a peut-être des gens un peu plus timides aussi, deux fois, tu vois. Ils se sentent mal à l'aise avec la foule. Mais... Ça dépend aussi. Tu le vois pendant 5 minutes, le mec, mais le mec, il reste toute la journée, donc peut-être que le moment où tu le vois, il est fatigué, c'est tout, tu vois. C'est ça aussi. C'est rien, quoi. Ouais, bon, après, les Kiev. Non, mais j'irai pas jusque-là non plus. Là, non, mais après, le mec de Matos & Games aussi, c'est que je lui avais parlé, j'étais avec ma soeur et tout. Je fais, ouais, vous êtes le mec de Matos & Games. Ouais. Je vous ai déjà vu pas mal de fois, le mec il m'a regardé,
Et il m'a même pas répondu, quoi. C'est bon, répéter la 4. Je n'ai pas précisé, ça m'a foutu. Même avec Pascal, on s'est regardé, on s'est fait, mais. C'est mépris, carrément. C'est mépris. C'est mépris, tout ça. J'étais en chaussure costard et puis et tout, mais bon. Après, t'étais en costard. Habillé, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? T'étais en costard. Bah, il a cru que c'était lui. Il a cru que c'était l'huissier. Putain, j'étais bien habillé. Ouais, ah, du coup, il a cru que c'était l'huissier. C'est pas possible autrement. Tu sais qui ça. C'est chaud, là. J'ai mes têtes. Du coup, voilà, il m'avait méprisé. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. DDX, c'est le sang. Il a dit qu'il allait gambader dans la convention, mais le pauvre va se faire alpaguer, va être emmerdé. Mais je pense qu'il le sait, qu'il va être alpagué. Mais il va faire la rockstar un peu. De toute façon, c'est un rocker. Il affronte la foule, c'est normal, c'est la base. C'est ça. La photo dit tout, Philippe. Alors attends, Philippe, j'ai pas compris là. Mais GX, il va t'entourer de Philippe des GX. Est-ce qu'il a renié un peu Philippe des GX? C'est un peu qu'il a renié. Il a coupé le cordon ombilical, tu vois. C'était suspect, ça, déjà, le truc Philippe des GX. Ouais. qui te suit, qui fait une relation Instagram, mais non, ouais. Qui a fait des conventions ici, d'ailleurs toi, Julien, t'as fait des conventions? Oui, moi j'ai fait, mais il y a le début des années 2000, la fin des années 90, le début des années 2000, à Toulon, ouais. Tu sais, j'ai fait les cartoonistes. En fait. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, je l'ai fait aussi à l'époque. Il y avait déjà, comment il s'appelle, Gameoni qui vendait des jeux et tout sur les. Ah ouais, ça c'est drôle, ouais, ça. Bien sûr, avec Neo Mars 13, avec Vincent, ils vendaient des jeux à l'époque. Ah, c'est long, c'est rigolo, et puis, tu avais les boutiques Neo Hayato, tu avais l'entreprise Snorgleux, tout ça. Il y avait beaucoup d'imports, en plus, à l'époque. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, non? Ah non, ouais. Et c'était vraiment bien, parce qu'il y avait des invités de marque, et tu avais beaucoup de stands remplis de matos rétro, alors que maintenant, c'est plus des peluches copies, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Alors qu'avant, tu avais vraiment du beau matos. Mais sinon, je n'en ai pas fait depuis. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, ça maintient. C'est pas trop bon truc, on va dire. J'ai fait la Gamescom, mais c'est pas vraiment de convention, ça. C'est un salon plutôt. Ouais, c'est un salon. Ouais. J'ai eu des invitations, par contre, à participer, mais je les ai jamais faites. À part Biggie, apparemment, il y a Biggie qui t'a invité, c'est vrai? Ouais, il m'a invité, mais même, c'est pas la première fois, il m'avait invité auparavant aussi. Bah, faut y aller, non? Bien sûr. Ah ouais. T'es pas loin? Enfin, ouais, c'est d'Avignon, il me l'a dit justement, mais je sais pas, mais on verra bien, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est pas des trucs jeunes, oui, maintenant ça m'intéresse un peu moins. Bon, après, peut-être c'est pour faire des animations, j'en sais rien, des trucs comme ça avec des... Je sais pas. Non, mais c'est sympa de sa part parce que ça, sachant que tu fais des lives avec moi, il aurait pu. Mais vous n'êtes pas trop en froid, non, quand même? Peut-être qu'il ne le sait pas, tu vois. Ouais, il ne sait pas encore, en fait, c'est ça le problème. On va lui envoyer le dernier live là. Où... Non, franchement, je pense vraiment qu'il s'en fout. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils s'en foutent aussi. Cartoony, c'était sympa tout le monde. Je sais pas si ça. Ouais, c'était génial. Fin 90, ouais. Début 2000, tu avais des invités, mais de fou, quoi. Déjà, tu avais l'acteur de Bioman, Charivan, Xor, tout ça, ils étaient venus. Tu avais Akira Kushida, Enchanteur, puis tu avais le chara-design de Macross, de Senseiya, et tu avais des pointures. Des pointures qui sont venues à ce salon, et tu avais des concerts avec des. Enfin, voilà. Vraiment des bons concerts. C'était quand, si t'aimais le matos, tu te régalais, quoi. Il y avait des trucs. Hein, de... C'était début 2000. Fin 90. Début 2000. À partir de 95, déjà, il y avait les premiers salons, je crois que c'est 95. Et jusqu'à début 2000, et c'était, enfin, ça, c'était vraiment. Alors, super sur Paris. C'était sur Toulon, tu sais. À Toulon. C'était sur Toulon, c'était le Palais Neptune. Et tu avais, c'était sur trois étages, il me semble. Mais honnêtement, toujours, hein, c'est toujours lieu, hein. C'est pas fini. Est-ce que c'était pendant la mairie FN ou pas? Quand ils avaient pris la mairie FN? Je sais pas. Ça a duré 2 ans, je crois. C'est ça. Après, il y avait Jean-Marie qui venait nous voir, nous serrer la main. Ah, ouais. Il y avait un rapprochement avec le Japon, quoi. C'était, c'est ça, exactement. Avec le Gomnich et tout ça. La reformation de l'Axe.
C'est ça, voilà. Non, non, il y avait... non, mais tu pouvais... Le truc, c'est qu'à l'époque, tu avais des hôtels à côté et tu avais tout, tous les mecs qui étaient invités, ils étaient juste à côté de l'hôtel du Neptune. Ouais. Alors, moi, j'avais croisé le chara-design du manga de Gavan et il nous avait fait un dessin particulier rien que pour nous. Tu vois, c'était assez cool, les mecs. Ouais, parce mais à l'époque, c'était encore un petit peu confidentiel. Ça, exactement, c'était confidentiel, il y avait très peu de monde. Et à l'époque, il y avait Pierre Giner, il y avait Greg de Joypas, tout ça, ils y allaient à cette époque-là. Et c'était assez confidentiel, il n'y avait pas beaucoup de... C'est pas l'usine du Japan Expo, pas du tout. Okay, c'était enfin... vraiment un truc de fan. Là-bas, tu n'avais pas les sushis, les sandwichs à 15 euros. Moi, je suis allé à Toulon, mais c'est vrai que j'étais pour le boulot, c'était surtout dans des centres commerciaux. Mais je me souviens d'une architecture dégueulasse à Toulon. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ouais. Sauf la vieille ville, c'est vrai, c'est immonde, quoi. Ouais. Par contre, autour, c'est très joli au niveau nature et tout ça, dans le Var. Mais après, moi, je ne me rappelle plus parce que je l'ai traversé chaque fois pour aller au cartooniste. Donc, c'est vrai que ce n'était pas très, très joli. C'était pas sympa. Il y a des points. Il y a des villes qui sont plus jolies. Requin, ouais. Il me tue à chaque fois. Requin, il est fort, là. T'es dur, quoi. Ouais, t'es dur à être copain Uber. Mani, chanter générique de Senseiya. Alors, je sais pas s'il déconne, je pense que c'est une blague, mais on ne sait jamais. Il y a bien Kirito qui a chanté, donc en même temps, pourquoi pas Mani. Kirito, quand même, il a pas le track. Hein. Danse, chorégraphie non. Et tout. Mais il n'a pas apprécié qu'on partage sa vidéo, parce qu'il faut quand même rappeler que le clash avec Kirito vient de là. C'est qu'on a partagé un gif où on voyait Kirito danser. C'est à partir de là qu'il y a eu toute une conspiration. Il y avait eu topage, hein, quand même. Hein il a topage, quoi, il y avait eu ouais, la taupe, quoi, c'était l'épisode le fameux. Il y a une ça me tue. Tu penses qu'il a clairement compris que tu te foutais de sa gueule. Bah, je crois qu'à l'époque on s'était pas plus foutu de sa gueule. C'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait il a mis une pièce dans la machine et après ça s'est emballé, mais ça me faisait plutôt sourire, tu vois. Franchement, c'était sympa la vidéo, tu vois. C'est le genre de truc, tu t'en fous si tu passes autre chose rapidement, sauf si le mec il se braque exactement, dessus. Tu vois. Exactement. Oh, c'est un goût à la danse, il met les pieds en avant, on dirait qu'il a des Santiago. <comme ça>. C'est énorme. Eh, ses chaussures, mais c'est quoi tes chaussures? Moi, je suis fan. C'est énorme. On dirait les chaussures dans Prince of Persia, tu vois. C'est ça, exactement. Y a un événement JV chaque année. En fait, moi, ce qui me déprime plutôt, alors je suis désolé, Vegas. Moi, je pense que ça t'aurait plu, le cartooniste Guillaume. Non, mais j'étais allé moi dans les conventions. J'étais allé à Paris. Okay. J'avais même vu des animés qui étaient projetés. Mais c'était la fin des années 90. C'était vraiment. C'est ça. Voilà, c'était vraiment bien. Je me souviens plus. C'était à Paris, mais c'était un truc assez connu. Je me rappelle d'une anecdote que tu m'avais racontée, qui m'avait marqué sur le doubleur de Vegeta. Ah ouais, ça je m'en souviens, c'était malaisant. Ouais, c'était malaisant. Ça. Ça avait bien fait rigoler. Alors je sais plus quel anox c'était, mais moi je me souviens. Est-ce que c'est en gros, il y en avait un qui lui avait posé une question. Ah, là, ouais, c'est horrible. Ouais, c'est ça. Et l'autre, il n'était pas assez passionné dans sa réponse. Enfin, je sais plus, c'était un truc technique. Il y avait deux trucs. Il y avait un mec qui lui avait reproché de parler de produits. Parce qu'en fait, il avait dit oui. on double des films, c'est des produits, nanana, tu vois. Et t'as un mec qui s'était offusqué, comment ça, des produits, c'est des manguettes, c'est le mec, faites un coup, c'est un produit. D'accord, ah ouais, d'accord. Et t'avais un autre truc aussi, je sais plus, t'avais un mec qui s'était mis en avant, qui avait pris le micro en disant, oui, moi j'achète des mangas que en VO, c'est les vraies versions, c'est le mec. Je dis, putain, mais ta gueule, Rabi, c'est bon, on s'en fout, tu vois. Donc il y avait quand même pas mal de gros puceaux un petit peu énervés. Ouais, quoi. Ouais, mais ça. Mais c'était charmant, c'était drôle, tu vois. C'était la bonne. C'était espèce de. C'était vraiment le début du revival, de notre enfance, en fait. Le début des années fin 90, début 2000. Ouais. Donc tout était en train de se construire, en quelque sorte, tu vois. C'est ça. Voilà, ressortir des produits sur des vieux animes, sur voilà. Et c'est l'époque, même l'import. Même je sais pas si tu peux confirmer, Julien, c'est l'époque où tu avais des énervés, des otaku énervés,
qui détestait Dragon Ball, qui c'est de la merde. Oui, oui. C'était Dragon Ball, c'était vraiment pour le grand public, c'était. Oui, tout à fait. Il y avait des élitistes qui allaient chercher des animes de derrière les fagots. Qui exactement, mais c'était complètement du snobisme. Tu vois, alors que oui, c'est ridicule, quoi. Il y a des voilà, c'est quand même une maîtresse, surtout la première série, et même une bonne partie de Z. Tu peux pas dire que c'est mauvais, quoi. C'est mais comme les jeux vidéo, hein. C'est les mêmes un peu, tu vois, les mecs. Ouais, qui... la PS1, c'était mal vu début 2000. Hein. C'était vraiment la cause des. Par exemple, tu vois. La bise à DGX, non, je rigole. Non, mais bon. Et c'était même les jeux c'était pareil quoi, il y avait des écoles à l'époque, les mecs ils étaient que Sega par exemple, alors que moi j'ai toujours joué à tout, tu vois, toutes les consoles et tout, j'avais des préférences mais je jouais sur tous les supports, et t'avais des mecs non c'était pas possible quoi, la PS1 par exemple. Ouais. Mais finalement, enfin, il y en a beaucoup qui étaient comme ça et qui ont mis du temps avant de changer d'avis quoi. Ouais, finalement ils ont changé d'avis donc ouais, et tout le monde a finalement au bout de 2 ans exactement ouais. Maturité est dingue. Au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que c'est ridicule. Ouais, surtout, surtout la série de jeux en face, ils avaient trop le seum, ils ne pouvaient plus tenir. Quoi. Quand t'aimes les jeux, attends, tu joues surtout. Je regarde, c'est ridicule ça. Bon, profitons là qu'on soit nombreux. Là, est-ce que vous avez des sujets polémiques là, qu'on ait des avis de tout le monde là. Polémique, non, mais bon, il y a l'annonce d'analogue là. Ah oui, oui. Alors ça m'a fait. Ah, je vais vous dire pourquoi ça me fait plaisir, parce que ça va foutre le seum à tout le monde. Pourquoi? Donc effectivement, parce que tout le monde s'excitait sur la Neo et finalement c'est pas la Neo du coup. C'est la 64. Non, c'est la 64. C'est la 64. C'est pas fou marrant. Tout le monde après ça vous intéresse ou pas? Moi ouais, parce que si tu ça peux veut la... pas dire qu'ils vont pas faire la Neo après peut-être. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont la faire. Si tu peux, si tu peux la hacker là et faire tourner des cœurs PS1 et Saturn, c'est une tuerie. Plus le Super Nintendo et tout machin, ça peut être une tuerie. Quoi. Non, après, mais eux, ils jailbreak. Ils jailbreak. Ouais, jailbreak, ouais. Enfin, ils le bloquent, quoi. Ils te mettent. Tu peux pas le faire normalement. Ah non, tu peux. En fait, chez Analog, t'as la sortie de la console comme ça, et puis t'as à chaque console. Systématiquement, tu as aussi un petit jailbreak maison, soi-disant pas officiel, qui est complètement fait par les mecs d'Analog, qui te permet de faire tourner ce que tu veux dessus, tu vois, d'autres cœurs dessus, ou même simplement de mettre le full set sur une carte SD, tu vois. Donc là, si jamais, soit la communauté de développeurs, soit Analog eux-mêmes, te foutent des cœurs Saturn et PS1, c'est une tuerie, surtout pour la Saturn. Alors moi, j'ai un autre sujet là. Est-ce que vous pensez que ça va monter les prix? Parce que je vois, on a l'exemple... direct les prix, direct l'argent. Oui. Exactement, parce que moi, je vois, je suis désolé, on a une connaissance commune. Le mec, il arrête pas d'acheter des jeux Game Boy, alors que, bon, je dis pas qu'il en achetait pas avant, mais juste parce qu'il a l'Analog Pocket, il achète plein de jeux. Non, mais c'est un peu trop tard, mais ça vaut cher. Ah, moi, je suis convaincu que ça va faire monter les prix. Hein. Et sur Nintendo Switch, c'est pareil. Ça a déjà explosé, la Game Boy, ça valait rien, maintenant, c'est hors de prix. Il y a des hors de prix, la Game Boy. Elle est déjà ultra rush, la Game Boy, elle n'a pas besoin d'aide. Honnêtement, jusqu'en 2015, 2016, allez, tu pouvais encore... Mais maintenant, ça a explosé. Il y avait déjà des trucs rush à l'époque, hein, franchement. Oui, mais bon, tu t'arrivais quand même... Mais, et la GBA, c'est pareil. La GBA, il y a des jeux qui valaient 8 000 yens. Il y a un jeu de Konami RPG qui valait 8 000 yens, il vaut 120 000 yens maintenant. En 5 ans. Moi, je suis convaincu que ça va booster les prix sur Nintendo 64. Ouais, c'est vrai, ça, Sylvain. Qu'est-ce qu'il dit, Sylvain? Il dit que Diplo qu'il a toujours pas réussi à utiliser son Steam Deck. Pourquoi t'as acheté ça? Maintenant que j'ai réussi, j'utilise plus, tu vois. Ça n'a aucun sens. Déconner. Ouais, le seul intérêt, les mecs kiffent que quand ils le paramètrent, en fait. Et ils se plaignent en plus en le paramétrant. C'est ça le pire. Ouais, on fait chier, il y a ça qui ne marche pas. Oh là là, Outrun 2, oh là 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 là, le problème. Et après, ah, finalement, je suis content, ça marche. Ils n'y jouent pas. Ben ouais, c'est ouais. Alors, au sujet polémique, je profite qu'il y ait cyber. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je t'ai trouvé extrêmement tolérant vis-à-vis du dernier trailer de TCL. Ouais. J'accepte la place sur le banc des accusés, allez-y. Merci sur le grill. Qu'est-ce qui se passe avec TCL là? Non, c'est déjà je m'entends bien avec une majorité de l'équipe. C'est vrai. Non mais bon, moi, c'est une des personnes qui
Je suis désolé, je lui trouve des qualités, dans le sens où il y a une cohérence. Chaque mot est finement ciselé, finement choisi. Non, je tourne, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Bien sûr. Ça ne veut rien dire. Hein, mais il y en a eu. Non, mais je vais vous donner vraiment un exemple concret. Vas-y. J'ai vu une séquence où tu vois le personnage. Il saute de plateforme en plateforme. Quand il arrive sur la plateforme, il y a une explosion, la plateforme descend. Ouais. Tu vois, le joueur, il est sous pression, il faut qu'il gère son double saut. Deuxième plateforme, pareil. Il arrive sur une barre, et là, il y a un scrolling qui se fait, c'est hyper rapide. Tu vois, il y a du dynamisme, il y a du punch dans le jeu. Après, la partie graphique, là, tu peux effectivement émettre des réserves. J'ai envie de te dire, il fait avec ses moyens. On connaît, on a vu TCK1, voilà, ça a quand même été un succès parce qu'il surfe sur une forme de sympathie autour de sa communauté. Il y a une communauté qui est fan. Franchement, GG. Vraiment, ça a bien marché aux US. Hein. Il a dit que ça avait bien marché aux US. Je te charrie gentiment. Non, mais bon, après, c'est ça qui me frappe, moi, je vais vous dire. C'est j'ai fait un live avec Roquin. Mais en même temps, c'est vrai que je peux pas nier que les retours, globalement, sont bons, quoi. Ça, on est vraiment les seuls à critiquer, en fait. Non, TCL, c'était sympa, tu vois, c'était un bon 6,5 sur 10. TCK, tu veux dire. Mais TCK, pardon, ouais, excuse-moi. TCK. Mais TCL, c'est vrai que... Bon, après, il a expliqué pour le fait que le sprite soit gros, tu vois, qu'ils allaient adapter le gameplay en fonction de la taille du sprite. Mmh. Ok, on peut pas juger tant qu'on n'a pas la manette en main. Mais il y a certaines fulgurances graphiques qui sont sympas là, comme le boss en style virtuel, réalité virtuelle, là, tu vois, des années 90, tu vois. Il y a certaines fulgurances sympas, mais globalement, graphiquement, moi je pense, c'est tendu quoi. Là, je suis d'accord avec Cyber, parce que je l'ai entendu parler de ça. Il dit que c'est un jeu pour une communauté. Tu vois, c'est le jeu fait par un membre d'une communauté pour la communauté. Et c'est un peu ça, je suis d'accord. Et il y a un peu de tolérance, à mon avis. Hein. C'est pas du suceur, c'est pas que les gens sont suceurs, mais ils tiennent compte du fait que c'est un jeu fait par quelqu'un qui est pas un professionnel. C'est quand même, ils se professionnalisent pas mal quand même. Après avoir vendu 5000 copies, ça. Non, ils ont tous gardé leur boulot. Ils sont en édition déjà. Les mecs sont en édition. Moi, je dirais qu'ils ont deux jobs, tu vois, maintenant. Oui, ils ont deux jobs, mais j'ai envie de te dire, c'est quasi bénévole, hein, leur deuxième job. Quoi. C'est... Et maintenant, j'aimerais entendre Tulf sur le jeu. Non, moi, je voulais juste dire un truc, une remarque, c'est que c'était un plaisir d'entendre. C'était un plaisir d'entendre Sib dire vous voulez savoir pourquoi j'aime TCL ? Eh ben, je vais vous le dire. franchement, j'avais le truc de mon visage, il est parti sur le côté comme ça, façon parco. Là, tu vois, non, franchement, je pense que TCL, ça va être une tuerie en termes de gameplay. Tu vois, comme en termes de mécanique de gameplay. Non, franchement, vraiment. Alors, franchement, les gars, Arnaud, mais vraiment, c'est chaud en fait. À un moment, il y a des changements de couleur à la volée quand il va dans l'eau et tout, avec une distorsion. Tu sais, il y a toujours un truc. Maintenant, il gère, tu vois, il fait tous ses. Et en plus, il a fait une sorte de scrolling. Moi, j'avais même pas remarqué dans mon live. Ouais, je l'ai écouté dans le live. Roller sur fil, truc de tendu, un fil tendu, t'as l'impression. Mais en fait, tout ça, c'est Arnaud TCK, son taf, franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Après, j'ai des réserves concernant, bien sûr, l'aspect. C'est des réserves. on voulait tous qu'il y ait un level up, tu vois, par rapport au 1. Ouais, il y a un passage là qu'on a vu, il y a un scrolling de montagne qui se superpose. Franchement, ça c'est costaud à programmer, tu vois, c'est pas mal. Après, Non, franchement, ouais. en termes de programmation, c'est un malade. On voulait tous des meilleurs graphiques, quoi, mais des meilleurs graphiques, mais voilà.
Après, il est tout seul. Hein. C'est un choix qu'il a fait. Hein, tu vois. Non, mais je pense qu'à jouer, il va être bien. Tu vois. C'est vrai, parce qu'on voit chez les concurrents, ils sont plusieurs. Sais que Demon of Astéborg, ils ont dit qu'ils avaient sous-traité. Ils doivent être plusieurs sur le pixel art. Et je crois même qu'ils ont segmenté le boulot. Tu vois. Il y a des mecs qui bossent sur le décor et tout ça. Donc oui, effectivement, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes moyens, ça on peut le dire. Osef soit costaud à programmer, le jeu est bon ou pas bon. Je suis désolé, Alf, mais je suis obligé. Ça me fait pas mal, je m'en fous. Mais globalement, les gens aiment. Donc, je répète, mon avis, on s'en fout. Moi, j'avais bien aimé le jeu du robot. Je crois que je suis le seul, tu vois. Mais j'avais bien aimé la partie avec le petit robot, là, le petit tank, là. Et franchement, je pense que ça, tu peux faire un bon truc avec ça. Tu sais, si tu rajoutes des armes au fur et à mesure au tank et tout, franchement, ça peut être sympa. Il a expliqué le coup du robot là. Et quand il explique, ça prend plus de cohérence. Mais c'est vrai que du premier abord, tu vois que. Enfin, j'aurais fait l'inverse quoi. Pour que ce soit plus lisible. Oui, parce qu'il y a un gros robot compris, et tu vois. Un petit un gros robot et un petit bonhomme, comme dans Blaster Master, tu vois. Enfin, c'est. Ou dans Valken, Valken, c'est un bon exemple, je trouve, parce que c'est. T'as une idée. Pour les gens normaux, mais ouais. Et c'est lui qui a fait ouais, le robot. Ouais, ouais, on sait, c'est lui qui a fait le robot et qui aurait voulu le refaire d'ailleurs, mais bon. Mais c'est. C'est clair. Ah non, mais ça, je suis désolé, mais c'est là. Non, mais ça rejoint. Ça m'a fait penser à un test que DGGX il a fait. Genre un jeu à une imitation de Cuphead. Et il incendie les mecs, mais c'est de la merde. Deux espagouins là, ils nous ont pondu de la merde et tout. Ça m'a fait penser à ça. Mais c'est là où je suis peut-être violent, mais moi je suis assez d'accord avec Alf, hein, vraiment. Mais c'est humain, hein, je veux dire, on le connaît, donc évidemment on est plus gentil, mais. Je suis désolé, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais des homebrew chinois, il y en a des. Il y en a des centaines. Hein, des homebrew chinois, mais dont personne ne parle parce que tout le monde les méprise. Mais il y a des trucs de ouf hein, parfois. Moi, j'avais vu une adaptation de Final Fight 3 sur NES. Putain, c'est hyper bien fait, mais tout le monde s'en branle. Donc ouais. Bon, alors, bref. C'est déturé. Ouais, c'est possible. Il fait une image du robot en disant il aurait voulu en faire. Bon bref, écoutez, je suis pas là pour en faire trop. Notre graphiste. La violence. C'est bien. La violence. Ouais, allez, mais il a le droit de vivre quand même. Alf. Toi, Sif, t'es prêt pour les critiques quand ton truc y sortira ou pas? Ouais, bah ouais, parce que moi, de toute façon, moi j'aurais pris mon pied. Donc t'es insensible quand même, hein, je veux dire, t'es un peu très sensible. Non, mais après, non, c'est pas ça, c'est que je sais reconnaître la mauvaise foi. C'est différent. comme le personnage qui ressemble pas du tout à Kirito. Sibito the game. Franchement, on veut tous une explication, moi le premier. Il faut MP qui comprend pas. Non, je plaisante. Mais non, mais c'est parce que vous avez pas vu la BD. Il y a une transformation dans la BD. Et en vrai, oui, moi, oui. Je veux faire un physiquement, c'est Takamura. Mais mentalement, ça restera Kirito. Ouais, il tombe sur du mutagène algérien. Au Japon, on l'a entraîné au Japon, et ça devient une brutasse. En vrai, c'est ça la bande dessinée. Et il revient pour casser la gueule des youtubeurs. Mais là, comme c'est la suite, les youtubeurs se sont fait casser la gueule, et adviendra. Pourquoi un brut, il a ton visage, tu vois. Moi, j'ai une théorie, Cyber, c'est que finalement, c'est ta revanche à toi sur nous. J'ai aucune raison de me venger. il m'est arrivé que des bonnes choses, donc j'ai aucun problème. Entre Biggie. Non, je plaisante. Pas du tout. En gros, il y a un mec, forcément, il faut que tu aies quand même. Tu l'aimes un peu pour pouvoir le dessiner, tu vois. Non, je suis d'accord. Mais surtout, on va quand même le prendre juste parce que.
Il y a plein de références. Non, bah, après, je suis certain que ça va être bien. Ah, j'espère quand même que vous êtes hypé par autre chose que ça, quoi. Oui. Que ouais, bah, on a bossé, quoi. On a vu que t'as mis beaucoup d'amour dans le T-Max, hein, comme par hasard. Ah, franchement, ouais, franchement, c'est stylé. Attends, et le périphérique avec le radar et tout, vous êtes pas prêts, les gars. Vous rendez pas compte. Là, ça va être. Moi, je vous propose un jeu. Le jeu se passe en 2023, monsieur. J'amène l'année 2023 dans votre Mega Drive. Voilà. Ah, c'est dit. Est-ce que tu peux demander à Kirito de me débloquer sur Twitter ? Oui, volontiers. Après, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais je vais lui demander. Je ne sais pas. Oula, ouais. Bon, c'est un peu moqué de lui, c'est vrai. Bah, c'est sous Julien, en fait. Non, je rigole. Cette dénonciation. Il a traité de PD. Ouais. Je sais pas si c'est ça, mais ça. Ouais, ça mais c'était pour rire, j'ai dit ça sur le coup, parce qu'on parlait de lui. Après, c'est pas méchant en plus, PD, enfin, je veux dire. Non, pas du tout, c'est très gentil. Ouais. C'est vite. C'est affectueux, c'est un compliment en 2023. C'est, bah oui, c'est clair. Non, mais j'avais dit ça sur le coup, comme ça, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que c'était un live assez chaud, quoi. On était un peu débridé sur ce live. Ouais. Tout ça pour demander à la poche. Ah, pour la je crois que c'est par rapport au GIF, tu penses, qui t'a... Non, je sais pas. Il a dû voir le live et puis il a vu qu'on se moquait. Bon, c'était pas. Bon, oui, il y a une parole un peu plus. Qui est montée un peu plus haut, mais on se moquait pas spécialement. Enfin, si, un petit peu, on se moquait. Mais... Qui bloque les gens, bah Kirito, c'est pas grave. Hein, oh, ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière fois, de toute façon. Mais il va me débloquer, je pense. Après, il va encore m'envoyer un message. Je pense aussi. Avec ce jeu en bide, c'est dans la kiffance. Je sais pas de quoi vous parlez là. C'est Kirito The Game là, putain. Voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres sujets Dodo, faire, Toto. Ouais, mais c'est ça que j'avais dit qu'on faisait pas un live très long. Une petite polémique, dernière polémique là, non il est parti. Il n'a pas envie de se coucher. Mais 10 minutes là. Encore. Minute. Voilà. Non, vous n'avez pas de truc à dire. Ouais. Non, il n'y a rien de. Bah. Parler sujet politique, bien sûr. Mais... Ouais, sur le live voilà, Job. Alors, Job, ouais. Job, parce qu'on parle de Job. Alors, ce qu'il n'avait pas aimé, c'est que pendant live, il disait oh, c'est pas grave, si vous ne donnez pas des dons. Tant que vous faites ça, c'est bon. Enfin, en fait, il distribue les bons points. Moi, j'ai une. Alors, ça a coupé là. Je sais pas si je peux en parler, mais non, c'est un peu compliqué d'en parler. Mais disons qu'apparemment, il me surveille de près, Job. Voilà, et il m'accuse de copier, de copier des concepts. Alors, je sais pas. Vous nourrissez les uns des autres. Peut-être. Oui, voilà. Donc apparemment. Les joyeux anniversaires, il avait pensé avant, mais bon, voilà, je suis pas au courant, mais apparemment. C'est vrai que l'anniversaire, c'est une idée nouvelle, hein, je veux dire. En plus, c'est vraiment un magnifique concept, quoi. Tu l'as volé l'idée du siècle, ouais. Là, non ? Il se focalise sur toi parce qu'il te connaît à toi, mais tout le monde se copie. Enfin, tu regardes. J'ai envie de dire, c'est presque plus Starma qui devrait me reprocher. De ouf. Pourquoi t'as acheté un canapé? Non, mais j'avoue que c'est un peu son concept du minute un jour. Un anniversaire, une minute. C'est clair. C'est sorti en 1992. Le copieur. Donc, ouais, donc ça travaille certaines personnes. J'ai envie de lui conseiller, travaillez surtout sur votre musée, les mecs, parce que ça va devenir. Et là, je vais moins rigoler parce que je pose quand même des questions. De plus en plus sur les dons qui ont été faits et qui n'aboutissent à rien. Moi, je veux dire, je mais pense qu'à un moment donné. Dans du don personnel, tout simplement. Ils vont devoir faire gaffe parce que il y a quand même des gens qui ont donné et il n'y a rien en face et vous ne communiquez pas du tout. Moi, c'est juste un petit conseil. Surtout qu'il y a Thève qui a un projet aussi. Donc, Et aussi Joueur du Grenier qui vient d'ouvrir un café en Bretagne. Bah, c'est un petit peu ce qu'on aurait aimé qu'il fasse d'ailleurs en game. Enfin, je sais pas, ils ont donné, il y a des dons, ils sont où les jeux, ils sont stockés, ça va donner quoi enfin, après, moi Gameou, j'aime bien l'émission qu'il fait là, l'émission de nouvelles. Les nouvelles sont très bien. Non, ça par contre, ouais, c'est top. Hein. C'est Game News là,
Là, pareil, ouais, j'ai je suis sûr qu'ils ont considéré. Le Game News, c'est qui le faisait ça? C'était Mehdi au Japon. Oui, non, mais c'est pas nouveau. Attendez. Là, je suis désolé. Je vais quand même. Il faut rétablir. On va mettre l'église au centre du village. Ce n'est pas nouveau. Par contre, oui. C'est bien fait. C'est bien fait. Mais c'est pour ça. Ouais, c'est de voler. Ça a été fait 100 fois. Ce truc de voler des trucs, des idées. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais, tout le monde se copie. Des mecs qui connaissent ni dev ni dada. Bon, le copier, il le sait même pas. Ah, mais imagine, nous on aime le jeu vidéo. Si le mec, si Capcom, il faisait ah non, c'est moi qui ai inventé le BTU moderne, tu vas pas copier mon concept, tu vois, il n'y aurait pas eu de jeu, tu vois. Genre, ouais, bien sûr. Capcom a porté plainte contre Data East. Hein. Ah, bon, ils ont essayé, ouais, mais c'est. Ouais. C'est abusé. Donc, ouais, légalement, tu n'as pas le droit de copyrighter des idées, tu vois. Tu peux pas copyrighter des idées, des concepts. Hein, tu peux pas. Heureusement que c'est pas passé. Ouais. Ouais. Non, mais franchement, Ces news sont propres et puis les sujets abordés sont sympas, quoi. Donc, il parle des trucs qui nous intéressent, tu vois. Il sait de quoi parler. Non, franchement, les news sont propres. Ouais. Mais ça, en plus, j'ai l'impression que c'est Joop hein, qui bosse beaucoup comme ça. Puisque sur le Discord, pour le peu de fois que j'y suis allé, c'est assez impressionnant comment il débite les news. On dirait vraiment une vocation professionnelle. Ouais. Ça se voit qu'il a envie d'en vivre et tu peux que être un réel passionné pour en faire autant quoi. Il adore ça quoi. C'est vraiment. Vu les résultats, non mais c'est pas un brisant exclusif, mais c'est vrai que bon c'est pas nous, tu peux pas en vivre quoi. Enfin, ouais. Moi je pense que KTG pourra apparaître dans les news si fournit des assets tout simplement. Après c'est vrai que vous avez pas fait beaucoup de démos là. On peut pas vous... ça c'est pas faux. De démos, c'est à dire que là en fait on est dans une phase où vraiment on se concentre sur le gameplay, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de balancer de démo en vrai, parce que... Non, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est juste le reproche, d'un certain côté, il n'était pas complètement infondé. C'est qu'il n'y a pas non plus... Vous m'avez donné un jeu... Enfin, je vais te dire pourquoi mes reproches étaient fondés. Ouais. J'ai envoyé, moi, le teaser, le premier teaser que j'avais lancé, et je l'ai envoyé et à Gamu, d'accord, tu l'avais envoyé et à Futuramax. Max. En MP, et il m'avait répondu les deux, et du coup, franchement, j'étais très déçu qu'il soit même pas, tu sais, j'aurais juste voulu qu'il soit mentionné, tu sais, même pas forcément dans les 10, mais au moins, ouais, on salue la tentative, enfin, un petit mot, quoi. Là, c'était ignorage complet, franchement, j'ai semé, quoi, j'admets. D'ailleurs, j'ai l'idée de live, de jeu concours live, tu vois. C'est tu tout le monde se met une vidéo de Futuramax et on voit qui tient le plus longtemps. Attends. Non, puis même c'est vrai que tu vois les mecs qui se la bite entre eux de façon exacerbée et bon ne pas parler d'un jeu c'était quand même assez cocasse quoi. Bah là quand même il voulait pas enfin je sais pas à mon avis il voulait pas que ce soit présenté parce que c'était l'ennemi en face, enfin, je pense que c'est aussi simple que ça. Moi aussi, j'ai compris ça comme ça, en tout cas. Et en plus, Joop, je comprends même pas pourquoi il l'a pris pour lui, il était même pas dans la vidéo. J'ai dû lui dire en privé, ça. Bon, ça s'est bien fini, hein. Franchement, il s'est excusé et tout. Ah, ça va pas être de l'animosité envers Joop, mais honnêtement, j'aime pas trop qu'on nous prenne pour des cons. On a vérifié, alors je sais plus pour quelle raison on avait vérifié, parce qu'on avait que ça à foutre. Il n'y a aucune mention de Joop dans les magazines où il dit avoir travaillé. Voilà, donc, je suis peut-être un peu violent, mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je sens que tu tiens prêt Maïgeli pour quand tu le rencontreras de visu. Non, mais parce que j'aime pas trop qu'on travestisse sa réalité, parce qu'il s'est présenté comme un journaliste. Bon. Stagiaire aussi, il a mis. Déjà, quand après, tu mets le mot stagiaire dans ton CV, stagiaire ou un problème. Ouais, stagiaire. Bon. Ouais, en tout cas, même si c'est du pipeau, ce qui est possible, honnêtement, il le tient quand même, le job, je trouve. Franchement, il peut le faire. Hein. Ouais, c'est mauvais. J'y vais là. Non, mais t'as cherché job, le nom de job, c'est ça? Mais non, mais bien sûr que non. Mais non, mais bref. Il y avait son nom, enfin je sais pas, bref. Il apparaît pas. Si je me trompe, je présenterai mes excuses. Mais j'aime pas trop, tu vois, si c'est faux, ou si là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Soit t'es journaliste, soit tu l'es pas, mais tu vas pas t'inventer une vie. C'est un joystick, normalement. C'est censé être un... Voilà. Je sais pas si t'as vu le message de Lucky Game. Ça va bien faire. Ouais, bah oui. Est-ce que ça fait Ah ouais. Pour ceux qui savent. Intéressant, Idriss aussi.
Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, bah merci d'avoir été là, c'était bien marrant. Finalement, on a essayé de tourner un truc un petit peu chiant, un truc drôle. Et Matos and Games, bah on va suivre le truc demain. Enfin, pour moi, ça fait rien. J'ai bien courbé. Et je vais faire un bah, par contre, c'est moi ou il est insupportable, Julien Courbet c'est... Alors, c'est marrant, je me suis posé la question parce qu'il n'était pas comme ça avant. Non, là, on a un slash maintenant. Hein. C'est un clown maintenant en fait. C'était sur TF1 ou à l'époque. Il était qu'est-ce qui se passe là? En fait, ça rend pas le truc sérieux en fait. Ça. Ouais, ça. Il tourne en dérision tout le long. Et... Ouais. Alors que moi j'avais envie de dramaturgie, j'avais envie de musique de suspense et tout, tu vois. Je me suis mais non. Ça, j'ai pas compris parce que je trouve que ça dessert la cause en fait. Tu tout vois, à fait, ouais. Bah avant, avant ils étaient menaçants, quoi. Oui. Je me rappelle quand t'avais les avocats et tout, ils mettaient la pression. C'était voulu, c'était pour faire une. C'est bizarre. Avant, c'était dramatique, quoi. Mm. Maintenant, ils ont changé de case horaire, ils sont le matin, donc je pense que c'est devenu plus léger à cause de ça, quoi. Tu sais, putain, parce que c'est en live, non, il me semble, mais t'as quand même. Ouais, c'est en live. T'as des effets, t'as des espèces de. Tu vois, ils enrobent ça avec des effets drôles. Tu vois, c'est n'importe quoi. C'est clair. Cool. Ça fait animateur de camping. Ouais, je suis d'accord en moitié. Il y en a un, il ressemble à Steven Spielberg. Ouais, ça fait les grosses têtes jouer aux avocats, quoi. Tu vois. Ouais. Ok. Bon bah bonne soirée, bonne nuit. Et puis on a tenu notre promesse. Voilà, minuit. On a fini à minuit. Allez, ciao. Allez, bye. Un sympa au dodo. À plus. À plus. Ciao.